Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va fou Ça va super bien et toi Oh la patate ça que t'as mis dans cette introduction. C'est de la patate, mais c'est de la patate énervée parce qu'on a eu patate. plein de soucis avant d'enregistrer <laughs> cette vidéo pour aucune raison. Du coup, bon, les PC patate énervés, ils nous ont cassé les couilles. Voilà, Aujourd'hui, suis... c'est moi Val, c'est moi qui vais chier <laughs> sur les cartes. Voilà, parce que je suis énervé. Non, c'est pas vrai. Il mais à raison peut-être peut parce que voilà il y a pas une carte qui est bonne et non voilà les mecs sont partis en se disant oh là là si je ne pas encore voir de si la en négativité parlé, si je Si jamais vous euh, voulez euh, avoir des explications explicites l'explicitation explicite des explications histoire de euh, de décupler tous les tous les mots vous allez dans les dans les commentaires de l'ancienne vidéo et vous de vidéo un spoil. Peu, euh, voilà dans l'ancienne vidéo spoiler, pourquoi euh, non, je ne démonte pas les cartes. Et oui, j'aime Magic et j'ai autant envie que vous de jouer en standard avec Kaldem parce que Magic est mon jeu préféré. Juste, j'ai peur que la surdominance d'Eldraine ne permette pas à Kaldem d'exprimer tout son plein potentiel parce qu'il en a et on va en parler dans cette vidéo. Exactement. Et moi-même, j'adore trouver les petites, euh, petites applications des cartes. J'aime beaucoup croire au potentiel et essayer de trouver les combos et synergies. Mais je sais très bien qu'au fond, euh, beaucoup de cartes que je vois ne battent ni en ni Chromlek. Donc euh, c'est juste que si jamais on reste focus là-dessus, eh ben on n'apprécie pas un top à sa juste valeur et on passe à côté de choses. Mais euh, voilà, j'en suis tout à fait conscient. Je ne m'émerveille pas pour rien. Je sais très bien que la saga euh, d'Imir, ce pas incroyable, mais euh, voler des permanences, ça reste sympa. Mais ça je nous trouve... va d'avoir chacun cette, euh, cette vision-là où toi, tu vas chercher la synergie, tu vas chercher le bon en chaque humain, en chaque oh, carte. Le bon et, euh, et moi, je vais essayer de les contextualiser dans le standard. Ça vous amène justement divers avis euh, et qui sont pour, le moi, pour moi, en tout cas, tous les deux intéressants. Euh, voilà donc euh, bah, j'espère que vous allez oui. kiffer et que ça va pas vous, euh, vous sortir de ce, de ce top, c'est pas, euh, pas le but voilà pour le coup Exact, euh, dernière vidéo du coup euh, de spoiler Kaldheim avant le top 8 puisqu'il reste une, une vingtaine de cartes il doit pas rester beaucoup de rares ou de nuétiques euh, avant, euh, avant de finir donc on fera pas une quatrième vidéo spoiler on passera au top 5 directement qui sortira la semaine où Kaldheim sera dispo sur le jeu, ce sera le, le lundi ou le mercredi que vous aurez le top. Euh, ça va dépendre euh, quand il finalisent toutes les cartes. Parce que jusqu'à ce que la dernière carte soit révélée, on attend avant de faire le top. Si jamais il y a une rare qui se glisse à la fin, ce serait con de passer à côté. Potentiellement une mythique même. Même si c'est assez rare qu'il le fasse. Euh, petit rappel, si vous voulez nous soutenir, il bah, y a le petit pouce bleu déjà sur la vidéo. Ça régale, c'est gratuit, ça fait plaisir. Euh, depuis qu'on le en d'abord de vidéo, il y a plus de gens qui le font. Donc merci beaucoup euh, de, de répondre. Euh, à cet appel, vous pouvez également euh, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pas le cas, il y a environ un tiers des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc si vous voulez vous abonner et désactiver les notifications pour ne pas être euh, averti, bah, euh, nous ça nous soutient. Si vous voulez activer les notifications, bah, vous recevez toutes les, euh, toutes les vidéos qui pop et ça, ça régale, ça vous évite d'en louper. Euh, si jamais c'est le cas. Euh, il y a également notre page Tipeee pour nous soutenir euh, gratuitement ou pas gratuitement. Voilà, c'est euh, ouvert à tout le monde. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et euh, également notre sponsor Play-In by Magic Bazaar qui régale euh, 20, euh, 50%, pas 20% de points de fidélité supplémentaires avec notre code ValetPL2021, réutilisable par ceux qui ont utilisé le précédent, utilisable une seule fois par contre, celui-ci, euh, comme l'autre bien évidemment. Ça nous soutient totalement. Donc merci à ceux qui ont utilisé, qui utiliseront code Créateur Magical face à boutique Epic Game Store. Voilà, voilà. Merci comme à ça, tous. On va juste parler de, de magnifiques cartes finalement. Allez, let's go. À ah, moi j'ai quelque chose, on a tout annoncé. Non, je crois qu'on a, euh, qu a tout énoncé. Tu vois. On a même parlé euh, justement des, des critiques sur l'ancien top, alors que ce n'était pas forcément euh, comme quoi on est full, full naturel, full lancé. Ce pas forcément prévu. On n'avait pas prévu de, de parler un petit peu des retours qui pouvait y avoir sur certains avis et tout. Mais, euh, mais c'est intéressant. Re vos retours nous intéressent du moment qu'ils sont argumentés. Ouais. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est super intéressant. Et on répond aux commentaires euh, quand vous avez des avis qui nécessitent de lancer une discussion pour le coup. Mmh. Yes, donc merci beaucoup. Continuez à commenter. Nous, ça nous régale. Euh, Rise of the Dreadman, un bon instant pour 3, qui avait, euh, qui avait été leak, euh, malheureusement on n'en avait pas parlé, hein, bien sûr, mais là il a été révélé officiellement par Wizard en plus. Euh, pour 3, un instant qui va créer euh, X jetons zombie 2-2 de Berserker, donc double type, très intéressant, euh, où X c'est le nombre de créatures non jetons qui est morte ce tour-ci. Et on peut le fortel pour un malin noir seulement, donc ça c'est quand même ultime, vous prenez une brasse euh, même pas forcément une race mais des euh, créatures meurent parce que ce n'est pas les créatures que vous contrôlez nécessairement vous recréez plein de jetons zombies euh, bon, ça marche pas en synergie avec elles-mêmes sinon on serait un peu pété à chaque fois que vous faites euh, vrac vos zombies vous remettez autant de zombies ce serait un petit peu fort voire peut-être même plus avec les créatures adverses qui meurent mais c'est un, une, une très bonne carte euh, de résilience contre les Vras, euh, contre des trades potentiels aussi hein, si jamais vous attaquez avec un board euh, pour prendre quelques value trade et vous allez perdre d'autres créatures, bah vous repeuplez avec vos zombies, ça peut être vraiment intéressant. Euh, J'aime beaucoup la carte, je ne sais pas si on en aura besoin actuellement ou le standard est pas très vrasse, mais plutôt euh, on met de très bonnes bêtes, on attaque. Mais si il euh, y a un, un Rakdos ou un Mononoir aggro, euh, c'est une très bonne carte euh, à jouer en side. Moi, ça, ça me fait penser à la 3-1 qu'on avait, le zombie de Liliana, qui faisait oui. la même chose en flash, mais qui te faisait piocher des cartes plutôt que de mettre des 2-2. Donc, c'était une certaine forme de résilience pour protéger des brasses. Là, c'est quand même un peu plus bœuf, parce qu'effectivement, tu peux le fortel et tu reprends instantanément le board. Après, généralement, ce genre de cartes-là, et on en a vu plein, et on en a designé dans chaque extension de standard, elles sont tout le temps bien, elles te permettent d'avoir de la résilience et de te protéger de brasses, mais elles sont quasiment jamais jouées, étonnamment. Parce que ça ah ouais. reste un instant à 3. Si tu joues un jeu agressif, c'est que tu as envie de curver. Dépenser ton mana pour prendre le board. Et, et, et c'est souvent quand tu es bien devant dans la game que tu as le loisir de, de, de garder du mana. Et en plus, c'est une carte qui se fortelle. Mais en fait, t'as pas vraiment envie de la fortelle parce que la fortelle, ça te demande de te décurver, de ne pas jouer une carte autour 2 ou autour 3 pour pouvoir la payer un plus tard. Donc je crois que c'est quand même globalement. Alors que à la base, toi, tu as un jeu agro qui veut curver une créature tous les tours. Donc c'est plus une carte qu'on va payer 3 souvent et qui, est effectivement, dans un format où il y a beaucoup de vracs, te, te permet de, de repartir. Ouais. Je, je pense que c'est jouable. Mais c'est vrai que ces effets-là, on en a pléthore tort et on les joue quasiment jamais. Quoi. Alors, précision quand même, euh, déjà le dessin est très beau. Euh, mais souvent, les effets, c'est par rapport au nombre de créatures que tu contrôlais. Et là, le fait que ça prenne aussi les créatures de ton adversaire, ça crée des situations euh, différentes. Parce que, genre, quand tu... Par exemple, la situation que j'écrivais où tu attaques avec tes bêtes et tu te fais euh, trade négativement certaines des tiennes, bah, c'est pas intéressant s'il n'y a que les tiennes qui vont recréer des 2-2. Alors que si, ouais. euh, par exemple, tu as un board avec... Euh, euh, des 3-4 et des 4-3 euh, qui s'affrontent, suivant comment l'adversaire va bloquer, euh, il pense être euh, mieux, mais il va quand même y donner des bêtes, et toi tu au coup, tu vas reprendre encore plus de bêtes parce que les sièges sont mortes aussi. Donc peut-être que ouais, ça va mais... rendre la carte plus intéressante dans certaines situations. C ce que tu décris, ça me fait beaucoup penser à du limité, notamment à des board stall de draft, mais c'est... Genre, les échanges de créatures en standard Actuellement, il y en a pas, ce que je disais. Ouais, ce n'est pas trop, pas trop le, le cas actuellement. Ce qui est un peu dommage. Mais globalement, la carte est, est plutôt puissante. Ouais. Si tu arrives à, à l'utiliser. Ouais. En plus, avec deux bons types, peut-être que ça fera quelque chose. On passe sur les de Co, hein, qui ne sont pas forcément euh, très intéressantes. Euh, bon, Celle-ci, quand même, en l'instant, permet pour 4 de faire sacrifier deux bêtes à chaque joueur. Quand même, assez puissant comme effet. Euh, tac, tac, On a les runes, enfin. Ça, on peut en parler parce qu'on les avait pas la ça dernière fois. On sait à quoi ça sert les runes. On sait, en fait, ce sera apparemment des enchantements euh, qui seront peut-être des auras. Je ne sais pas si ce sera forcément des auras, mais en tout cas des enchantements euh, qui vont se tuto avec certaines cartes qui demandent d'aller chercher une rune dans le deck. Et euh, là, sur, du coup, cette rune-là, elle fait draw une carte. Si le permanent enchanté est une créature, ça lui le fly. Euh, et si on peut l'enchanter aussi à un équipement, pour, euh, parce qu'on l'enchante à un permanent, et si on l'enchante à un équipement, l'équipement donne le fly. Donc je trouve ça assez intéressant et ultra versatile comme carte. Genre pour le limiter, ça va être très bien, à mon avis. Je ne sais pas si ce sera très bien ailleurs, mais euh, voilà. En bah, tout cas, les ça, runes, en fait, c'est ça. Ça dépend pas tant des runes, ça dépend des cartes qui synergisent avec les runes. Pour le construire, ouais, ouais, je parle. C'est sûr. Tac-tac. On a vu qu'il y avait un cycle de saga pour toutes les bicolorités, du coup, en unco. En unco et en rare. Donc en euh, rare. voilà, on va passer sur les sagas unco, même si certaines sont intéressantes. Et on arrive directement hum. sur Thoralf Hammer. Euh, et Thoralf, God of Fury, euh, donc qui est le dieu de la mythologie qui fait référence à Thor, vous voyez, avec le marteau de Thor. Euh, vous avez une 5-4 pour 4 qui a le piétinement, qui est une créature légendaire dieu. À chaque fois qu'une créature ou un planeswalker qui a un adversaire contrôle. Euh... subit des... quoi la tournure un... de phrase Subit un... Ah ouais, un, un, un excès de dommages non combat Oh là là Thoralf euh, inflige des dégâts égaux à cet excès à n'importe quel euh, autre permanent, en fait. Hum. et euh, derrière vous avez une créature euh, pardon vous avez un équipement euh, qui euh, permet d'équiper une créature pour deux quand vous détachez euh, Thoralf euh, le, le marteau de Thoralf il euh, inflige 3 dégâts à n'importe quelle cible et vous pouvez retourner euh, Thoralf à t'es vous êtes obligé de le reprendre. Sur... Ouais, vous le reprenez dans la main de votre propriétaire, vous pouvez équiper une créature euh, elle gagne plus +3 plus 0 tant qu'elle est légendaire, ça s'équipe pour deux. Et j'ai rarement lu une carte aussi fatiguée de toute ma vie. Euh, oui. Alors, euh, je vais tout de suite te dire ouais. euh, que effectivement, commandeur, il y a des decks marrants où tu veux faire 13 points de dégâts à tout le monde du coup tu vas One Shot, un joueur. Oui. Bien sûr. Euh, mais par contre, là, euh, c'est juste la carte. J'ai l'impression que c'est la pire carte de l'extension. Oh, euh... <laughs> bah, c'est le, le pire dieu parce que tous les dieux sont bien. Mais lui, tu n'infliges que l'excédent de dommages, donc déjà non combat, donc déjà c'est wardé très bizarrement pour une carte 4 piétinement. En plus, le plus 3 plus 0 ne profite qu'aux créatures légendaires, et il faut que tu détaches son marteau pour qu'il puisse faire un effet. Donc c'est-à-dire que tu as une autre créature à équiper. Il a pour lui d'être 5-4 piétinement pour 4, ce qui reste des stats très correctes. Genre vraiment, c'est tellement fatigué. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il euh, se compte lui-même dans son effet. Donc si il attaque euh, en tant que 5-4 piétinement et qu'il va infliger un excédent de dommages à une créature, il va pouvoir lui-même, avec l'excédent qu'il inflige, l'infliger à une cible. Donc c'est enfin, pas mal. Comme... Non, combat, non combat damage. Euh... Ah oui, non, mais même pas. Non, c est, c est c est non, non combat. combat damage. J'avais oublié. oublié ça, non Donc non, <laughs> vous savez quoi On va faire un truc qu'on fait jamais. c'est <laughs> trickery. Voilà, on passe, on passe, c'est nul. <laughs> Alors, on à moins qu'il y ait pas carte à combo, mais franchement, ouais, on a... genre, Thoralf, non. 3, non. Et le non. marteau, ah, ça... euh, non, non, non plus. Ça sera, ça sera très fort en limité, hein, parce que pour deux, détacher d'une détacher créature et mettre trois, voilà, en limité, il a des bonnes stats, il n'y a pas de problème. Pas en pour construit, deux. Je, ne... Je... je ne comprends pas. Pour 6, deux à poser, deux à équiper, puisqu'elle ne s'équipe pas quand elle arrive, et deux oui. pour l'engager, engager la créature, donc elle ne peut ah, pas attaquer. Et, et, et retirer globalement... le marteau. Oui, oh. globalement, ce sera quand même bien en draft, quoi. Tu pourras mettre 3 oui. à n'importe qui pour 4. Euh, T'as bon, une bolt euh, pour 6 tous les tours, donc ça reste très bien en draft, mais... Ouais, oh, pour 6, ouais. Oh, 6, quoi Non. Ah, n'en parlons plus, n'en parlons plus. Ah, non, bon. non. Alors, il y a certainement un truc à faire avec cette carte, parce que sinon, il n'aurait pas designé. Mais là, ouais. oh, j'ai envie d'aller me coucher quand j'ai lu la carte. Tipal's trickery, Un contre-sort rouge pour 2. Attention, calmez-vous, je vous connais, vous allez faire... Oh quoi, un tu Il va pouvoir être gros, avoir des contre-sorts Non non. Doucement, doucement la foule, on vous connaît. C'est une, une carte à combo, ça. Exact. Euh, donc, on a un instant pour deux. Counter target spell, point. C'est tout, c'est une bonne carte. Non. Ensuite, vous allez choisir un, 2 ou trois à random. Donc, vous lancez un petit dé comme ça. Fou. Son contrôleur, donc le contrôleur du spell qui a été contré, va meuler autant de cartes que le nombre choisi au hasard, donc 1, deux ou trois, puis va exiler les cartes du-dessus de sa bibliothèque jusqu'à révéler une carte non terrain, avec un nom différent que le spell contré. Vous me suivez jusque-là C'est bon, vous me suivez Non. Ensuite, ils peuvent caster cette carte, enfin, il peut, le joueur, la joueuse, peut caster cette carte sans payer son coup de mana, donc la carte exilée euh, du dessus de la bibliothèque par Tibals Trickery. Et ensuite, il met les cartes exilées euh, de cette façon, euh, en dessous de la bibliothèque, donc les cartes qui euh, n'ont pas été euh, castées du coup, qui étaient des lands... Euh, ou des cartes qui ont le même nom en dessous. Donc ça fait un peu un effet cascade, quelque part, pour ceux qui connaissent la mécanique. Alors ça, c'est dangereux comme carte. Parce que quand vous allez contrer un truc, vous avez intérêt à ce que ce soit la meilleure carte de votre adversaire. Parce qu'il va forcément récupérer quelque chose. Ouais. Ou alors, contre contrôle. Parce que c'est pas forcément impermanent. Euh, si il a beaucoup de spells non-créatures. Si jamais il révèle un contre parce que le contre est déjà passé quand l'effet se résout et ben vous lui enlevez une carte euh, contre potentiellement enfin ça sert à rien ouais, ça servira jamais à contrer une carte d'un adversaire je crois c'est plus une carte à combo pour contrer tes propres spells aussi. et jouer à Emrakul dans les formats éternels il y a euh, Frank Karsten qui est un peu le roi de la stat à Magic qui a euh, fait un deck avec Tibalt 50 land 4 euh, cartes cascade et 2 Racul mmh. avec Tibalt Trickery. et il a 86% de chance de faire euh, Emrakul euh, tour, 3, tour 3 avec, euh, avec son build euh, ça nécessite de hard mulligan, ça ressemble un petit peu à trésor Hunt en historique tu hard mulligan dans, dans ta carte clé et, euh, et juste le fait de caster, de, de caster ce petit bal trickery te permet de jouer Mrakul globalement c'est plus pour faire des, des decks un peu junk dans les formats éternels je vois pas trop son application en standard trop risqué ouais, je pense pas effectivement j'ai essayé de, de voir l'application où tu peux euh, euh, dans un, un corner qui c'est bien mais à part contre un deck combo, où du coup euh, t'as pas accès à du bleu et tu vas te prémunir de mourir sur combo avec Kibble bolt Parce que lui donner une autre carte, bah, c'est pas grave, juste à, tu l'as empêché de combo. Euh, bah, je vois pas trop. Vois pas ouais, trop on pourra faire des trucs fun en historique avec ça, je pense. Ouais. Genre Effectivement. Faire venir un pâté, genre Ulamog, faut, faut voir. Mais, ouais, parce mais que ça permet de, ça pas... de caster la carte. Et ça, c'est bien. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs, ces wardé bizarrement où on doit choisir un, deux ou trois à random C'est pour éviter que tu aies des effets où tu regardes la carte de sa bibliothèque et tu es sûr que quand tu vas te contrer ton propre sort avec qui tu vas caster un truc de port. Là, comme je ouais. ne peux pas euh, savoir, il faudrait que tu fasses un Scry 4 euh, minimum pour t'assurer. que, Enfin, pas t'assurer, mais avoir de grandes chances de, de pouvoir caster ce que tu veux et. Si ah, bah, j'avais pas mis ça, ça aurait, été, ça aurait été un peu fort parce que tu aurais pu caster ce que tu veux. Et c'est pas interdit que dans le standard qui arrive, peut-être pas actuellement, mais avec les prochaines extensions, si on a moyen justement de gérer le dessus de notre bibliothèque, c'est une carte à combo qui va servir entre guillemets à nous contrer notre propre spell pour jouer la carte qu'on veut. Mm. Et ça sera pas un contre-sort pour les decks rouges. Quoi. Ça ça n'arrivera pas, je pense. Effectivement. Euh, big up à cette saga, Cardos Vicious Return, euh, trop fort limité, je vous le dis, je signe. Ouais, bah, toutes les sagas globalement. Euh... Très, très Alors, Jorn. Alors, Jorn, God of Winter, euh, pour 3, il est 3-3, à chaque fois que Jorn attaque, vous détapez chaque euh, permanent enneigé que vous contrôlez, donc ça peut être aussi vos terrains, donc c'est plutôt pas mal, les stats et -même. sont ok, c'est un 3-3 pour 3, effectivement, et lui-même, et derrière, vous avez un, un artefact, en fait, un artefact légendaire, euh, qui dit, quand vous l'engagez, vous pouvez jouer... Le permanent neigeux ciblé de votre cimetière ce tour -ci. euh, Si vous faites ainsi, il arrive sur le champ de bataille engagé. Euh, you may play target ça veut dire que tu peux reprendre un land et le jouer. Donc, si jamais tu as un land au cimetière, tu peux jouer un land neigeux. Ça te permet d'avoir un petit peu de récursivité. Je sais que Thierry, il en parlait dans le TPMD il aimait bien la carte. Je trouve pas ça pété, mais c'est probablement playable si on a un Sultai Snow en standard, un peu value. Mmh. Euh, t'as le droit d'avoir un 3-3 en early game contre les jeux aggro pour temporiser et en late game t'as le droit d'avoir ce bâton qui fait un peu de value contre les decks contrôle c'est pas fantastique mais c'est polyvalent donc c'est une bonne carte ouais ça marche avec lui même donc euh, ah. si t'as envie de reprendre deux permanents du cimetière euh, tu peux en reprendre un attaquer avec Jorn, détaper Kaldring, reprendre un permanent Ouais. Euh, ça, la je... carte n'a pas de rendement décroissant comme les autres cartes légendaires au contraire ouais. euh, je... D en avoir deux. je trouve pas ça euh... en fait le problème est que ça ne trigger qu'avec des permanents de les jeux ça nécessite vraiment d'avoir des bons permanents neigeux donc je trouve que pour l'instant avec tout ce qu'on a vu et on a vu quasiment toute l'extension c'est pas super intéressant mais je peux me tromper euh, j'ai juste l'impression que c'est une, une bonne, très bonne carte de limiter quand tu vas jouer neige, neigeux ah bah euh, ouais <laughs> mais ah. ouais sinon euh, il faut payer le coût de la carte quand tu la rejoues de ton cimetière bon, ce qui est normal, euh, ça arrive engagé j'ai ouais je, je, je sais tu... pas je trouve, je trouve pas ça puissant au global, mais en fait le fait que les deux cartes, tu vois, le fait que ça soit une double face carte, c'est un petit peu l'argument pour toutes les DFC. Mmh. Si elles sont pas incroyables, c'est pas grave, elles sont au moins polyvalentes, quoi. Ouais. Et juste de par sa polyvalence, ça trouvera sa place. Si on a vu que Jorn d'un côté, on l'aurait probablement jamais joué. Si on a vu que Caldring d'un côté, on l'aurait probablement joué peut-être en side contre certains decks contrôle. Mais c'est vrai qu'au global, ça demande beaucoup de choses et que effectivement la capacité neigeuse soit viable en standard. Ouais. Il aurait, il aurait, fallu un petit, euh, petit, passage merveilleux qui va chercher un petit passage enneigé, tu vois Ouais. Qui va chercher que un, un basique euh, neigeux et du coup ça aurait été sympa de pouvoir faire de la value avec euh, Caldering en le reprenant et tout, mais, mais on n'a pas. On patiente. Pas. On verra bien. Harald euh, unites the elves. Pour quatre maintenant on a une saga euh, Gulgari donc euh, les meilleures couleurs qui euh, a trois effets comme toutes les sagas. Premier effet on meule trois cartes. Puis on peut jouer un elf, euh, enfin on peut mettre pardon, un elf ou un planeswalker tivar depuis un cimetière sur le champ de bataille, fort. Ça très fait bon effet de réanimation tivar. directement. En plus un très bon planeswalker. Pour deux on met un marqueur sur tous les elfes qu'on contrôle, fort. Et pour trois euh, quand un elf qu'on contrôle attaque ce tour-ci, euh, créature, une créature ciblée qu'un contrôle a moins à moins à... jusqu'à la fin du tour. Est Donc c'est pour chaque Elf. Non, c'est quand même ouais, ciblé, donc c'est pas toutes les bêtes, mais euh, ça permet non, non, de non, faire un ou deux anti-bêtes potentiellement. Et bah très bien avec Golgari Elf. Euh... Ouais. Oui, oh, oh, oui voilà, ça fait un anti-bête, Si, sûr. si euh, Golgari Elf est viable en standard, ce qui dépend du coup des autres elfes de l'extension, avec Pell, on a déjà buildé quelques listes, il y a deux, trois trucs à faire, il y a pas mal de bons elfes. Est-ce que c'est du nouveau, du standard actuel On sait pas, mais en tout cas, la synergie elle est poussée et il y a plein de bonnes cartes, donc ça donne envie. Ça, c'est typiquement le truc qu'on va tester en stream d'AP euh, instantanément. Ouais on a d'ailleurs un très bon elfe juste à droite avec un superbe dessin qui permet également d'aller chercher des elfes ou harald. Euh, ou Tívar pardon Taïva, est ouais. lui qui est super fort hein. c'est lui qui donne principalement lui et cette saga qui donne envie de jouer l'archétype pour le coup ouais carrément mais ça fait un peu penser au deck où tu as un peu ton deck qui tourne autour de, du Planeswalker que tu dois aller chercher avec certaines cartes mais t'en as qu'un c'est un peu perdu alors que là on aura le droit en construit nous d'en avoir quatre des ouais. euh, des Tívar et, 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 et le Panzerkör est fort donc, ça. Euh... Et il se va après ton Harald en plus. Ah, franchement, ça, bien. moi, j'ai un peu d'ambition sur Golgari Elf. Mm. Euh, Peut-être à tort, mais. Bah, ça a l'air de faire des trucs. Hein, euh, ouais. En tout cas, Kaldheim a envie de nous faire jouer ça. C'est clair. C'est très poussé. Yes. Ensuite, euh, alors la carte étant euh, à gauche et à droite, euh, je, on va parler d'abord de la face euh, euh, Dieu et on parlera ensuite de l'autre face. Ouais, donc Egon, God of Death, pour 3. On a une 6-6. Les stats sont énormes. Créature légendaire, dieu. Elle a le contact mortel. Au début de votre entretien, vous pouvez exiler deux cartes de votre cimetière. Si vous ne pouvez pas le faire. Vous sacrifiez Egon et vous piochez une carte. Et euh, le Trône of Death, donc le, le, le Trône de la Mort, c'est un artefact légendaire pour 1. Au début de votre entretien, vous pouvez euh, meuler une carte. Euh, pour 3, vous exilez une créature un, de votre cimetière, pas d'un cimetière, un peu dommage, et vous piochez une carte. Encore une fois, les deux cartes synergisent ensemble. C'est-à-dire que ça vous demande d'avoir euh, plusieurs fois la même carte. Là où avant, les cartes légendaires étaient à rendement décroissant, quand vous en aviez une sur le board, vous ne pouviez pas jouer la deuxième. Là, l'avantage des créatures légendaires ou des cartes légendaires de Kaldem, c'est que ça vous pousse à en avoir des, des multiples. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve qu'encore une fois, les deux cartes séparées sont pas incroyables, mais le fait qu'elles synergisent ensemble et que ça soit une dual-face carte, ça rend la carte playable. Et yep. jouable. Exactement. Et d'ailleurs, c'est euh, meuler une carte, on est obligé. As dit ouais. Vous pouvez meuler une carte, mais euh, on est obligé de la meuler. Ouais, non, je fais de la traduction instantanée et mm. je, je, je word avec mes mots, mais effectivement, c'est ouais. obligatoire. Bah ouais, très bonne carte. Euh, L'effet euh, automeux, les draws, euh, ça grind, c'est excellent. Ça va très bien avec des decks comme euh, Ragdos, Croxa, qui avait envie de remplir le cimetière, qui joue des buffles, etc. Euh, et Egon, et bah, excellente bête, qui tient très bien l'aggro, qui peut mettre la pression aussi. Euh, qui, au pire des cas, si on n'a pas rempli son cimetière, c'est une 6-6 death Touch qui va tenir un tour de bloc, puis euh, se sacrifier pour piocher une carte. Donc vous avez temporisé un tour, euh, typiquement, donc c'est ultra-value. Et ensuite, ça va remplir ouais. le cimetière en mourant. Moi, ce qui me ce qui, ce qui gêne avec Egon, c'est que quand tu le compares avec Croxa, c'est quand même vachement moins bien. Et que sans le Throne of Death, la carte, je trouve que la, la, le côté le plus intéressant, pardon, c'est le Throne of Death, parce que lui, il synergise bien ouais. avec tout ce que fait Ragdos remplir son cimetière. Alors que lui, Egon, il est moins fort qu'un Croxa, et il va vider ton cimetière. Donc, il va faire un peu une anti-synergie. Tu vas perdre le, le moyen d'escaper tes cartes. Donc, je trouve que le Throne of Death est vraiment bien, mais Egon, il est... Un peu plus anecdotique dans l'idée. Ouais, c'est dommage qu'on soit obligé d'exiger deux cartes de notre cimetière euh, et qu'on puisse pas juste dire bah non je le fais pas, je le sacrifie. Ça aurait permis euh, en Lady game par exemple de se dire bah vas-y je mets un bloqueur et je vais le sacrifier ton prochain pour piocher. Mais ouais, mais ouais juste le côté euh, throne of death euh, c'est euh, trop bien. C'est ça. Ensuite, euh, les gens parlaient beaucoup du buff. Je pense que ça ne sert à rien, mais euh, je peux me tromper. C'est une 06 qui croue n'importe quel véhicule pour deux. Parce bah, ça dépend de la, sa... puissance. Sur ça dépend la, la puissance des véhicules pour le coup. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même crew avec autre chose. À part en historique ou du coup, pour, euh, pour un, t'as une, une 7-11, je crois, qui se crew pour 6. Ouais. Non, mais si, tu vois, si nous design un véhicule qui euh, se joue pour 3, qui a la célérité et qui se crew pour 6, et qui mmh. est trop pété, genre un Sky Sovereign, bah, tu fais ta curve Giant Ox dans ce véhicule, tu, puis tu éclates les gens. Ça, c'est bien. Euh, sinon, globalement, tant qu'il n'y a pas de véhicule de cet acabit-là, et une carte de l'imité, quoi. Ouais. Euh, ça a bien bloqué en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a le Burning Rune Demon pour 6. On a une 6-6 fly. Donc, déjà, c'est des bonnes stats. Et en plus, c'est joli. Quand le Burning Rune Demon, qui est démon berserker, euh, arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque pour exactement deux cartes. Donc, vous êtes obligé d'aller en chercher deux si vous y allez, euh, qui ne sont pas nommées Burning Rune Demon et qui ont des noms différents. Donc vous pouvez aller chercher un Mammoth Growth et un Code Spell Cleric, par exemple. Euh, si vous faites ainsi, révélez ces cartes, un adversaire choisit une d'entre elles, mettez la carte choisie dans votre main et l'autre carte dans votre cimetière, puis mélangez votre bibliothèque. Alors c'est un gros démon qui va tuto forcément une carte, alors vous ne pouvez pas prendre deux fois la même du coup pour euh, obliger votre adversaire à, à vous donner celle que vous voulez. Mais vous pouvez peut-être aller chercher deux cartes qui ont un effet similaire pour faire que le, le tuto soit très efficace, typiquement deux antibêtes ou deux contre, dans ce cas -là, là votre adversaire va vous donner la moins bonne des deux mais il aura moins le choix si vous jouez des cartes, euh, vous jouez pas les cartes en x4 mais plutôt en x2, x3 pour euh, avoir plus de choses à tuto vous avez quand même un body 6-6 fly à gérer enfin euh, l'adversaire a ça à gérer et vous avez fait de la value, et en plus si vous jouez des cartes récursives, bah, vous pouvez aller chercher forcément des cartes qui peuvent se jouer de la main et du cimetière typiquement vous prenez croc ça euh, ouais. et une autre carte qui se joue du cimetière et peu importe ce qu'il va choisir de vous mettre dans la main euh, vous allez pouvoir jouer les deux Ouais, tu prends Proxa et Buffle en Ragdos. Euh, c'est ouais. pour ça que ce démon est intéressant. C'est si tu arrives à contourner euh, sa, sa propre euh, règle, mm. de pouvoir mettre une carte au cimetière qui va quand même t'avantager. Et du coup, ça devient un peu un démon des runes, qui est une carte bien connue des decks Reanimator ou alors des decks euh, Duel Commander. Ouais. Globalement, euh, c'est une carte qu'on verra quand même peut-être plus en Duel Commander ou en Commander Multi qu'en quand construit. Mais bon, il n'est pas mauvais, il a des bonnes stats. Quoi. Ouais, c'est un peu lourd, euh, un peu cher actuellement pour ce qu'on fait euh, ou ce ouais. qu'on veut faire en standard, mais l'effet est intéressant. Et souvent, ce genre de démons, ils ont un peu un, un downside, un peu chiant. Genre, tu vas devoir payer des points de vie, Lui, il en euh, a pas. te mêler, faire un truc. Euh, non, ou te défausser. Là, tu juste c'est 6, 6 fly pour 6, et tu peux aller chercher. T'es pas obligé de deux cartes, euh, mais bon, généralement, ah bah, on a façon, toujours envie d'aller de... chercher deux. D'habitude, les gros démons nuls, ça fait un petit moment qu'ils ne nous font plus des gros démons nuls, mais dans l'histoire de Magic, on nous faisait des gros démons nuls et on les jouait juste pas. C'est ouais, ouais. sûr que maintenant, la, le, le design de MTG, c'est que toutes les cartes soient plus ou moins jouables. En tout cas, mm. même en, en draft, elles sont toutes plutôt bonnes. Ouais. Donc ouais, c'est clair que, que ce démon-là, il n'est pas, pas pourri, c'est clair. Et si vous voulez voir là, une des meilleures cartes à pique en limité, bah Démon Bolt. Voilà. En rouge, pour 3 en instant, vous mettez 4 avec une créature en plus de cœur, ça se fortelle. elle Chef Skiss. Voilà. Facile. Ouais, plutôt bien Starnheim Unleashed quelle bonne carte ça je sais pas pourquoi elle est carrée ouais. comme ça bah, je sais pas non plus mais en tout cas l'artwork est très très joli pour 4 une carte blanche le, le blanc qui est mis à l'honneur avec Caldheim, et ça fait plaisir aux aficionados de mmh. la moins bonne couleur de Magic malheureusement c'est voilà Wizard essaye d'inverser la tendance et ça fait plaisir. On avait déjà Skyclave apparition euh, en Handicap. Et là, on a pas mal de bonnes cartes blanches. Alors, donc du coup, Star, star Name Unleashed pour 4 en rituel. Vous pouvez créer un jeton euh, créature 4-4 ange et euh, guerrier blanc euh, avec le vol et la vigilance. Donc, vous faites un ange de serra pour 4 en rituel. Ce qui est, ma foi, déjà très très bien. bien. Euh, et si la carte elle, a été Fortel, vous pouvez créer X token euh, à la place. Et X étant le coût, vous allez Fortel euh, pour le coup. Et donc, typiquement, si vous payez 4 en fortale, euh, si vous payez 5 en Fortel, pardon, vous allez créer 2 anges 4-4. C'est pas mal, hein franchement, la value est énorme. Je, je pense que c'est très très bien comme carte. Dans un deck contrôle, ça peut être un kill. Ça te permet au tour 4 de poser un bloqueur, notamment qui peut bloquer une Questing Beast, si jamais tu as besoin de te protéger en early. Euh, ouais. Par contre, ça peut être une carte que tu vas juste fortel au début de la partie et en late game tu vas pondre, je sais pas, 6 anges, tu vois. Ouais, Ah bah typiquement, vu son coup en plus qui est un mal blanc en fortel et deux mal à blanc à caster, je peux pas déconner, ça donne vraiment envie de jouer euh, non plus mono bleu fortel mais azorius fortel avec euh, ça comme payoff et, euh, et peut-être d'autres cartes aussi intéressantes euh, blanches. Mais juste euh, ouais. splasher pour ça, ça vaut le coup parce que ça peut être ton kill. Tu vas contrôler les débuts de partie, euh, boons, contre, etc. Et d'un coup, tu dis, ah c'est bon, c'est à moi de jouer. Pouf, cinq anges, à toi. Le, le seul problème que j'ai quand, quand tu dois la comparer, voilà, moi, j'aime bien raisonner par analogie et contextualiser dans le standard. Actuellement, les decks contrôle, ils ont déjà une carte très polyvalente qui leur permet de créer des anges et qui, en plus, euh, euh, et ne te fait pas raser ton board. C'est un land, ne te fait pas te raser ton board. C'est Emeria's euh, Call. Et Emeria's Call, entre guillemets, dans un deck contrôle, ça fait un peu la même chose que Starheim. C'est-à-dire que c'est une carte... Qui n'est pas morte en early game, euh, mais qui en late game va te permettre de pondre des anges assez facilement. Tu vois, le fait que ces deux cartes euh, euh, se ressemblent un petit peu, est-ce que mmh. ça ne peut pas euh, diminuer l'intérêt de Star Name niche C'est peut-être le seul défaut que tu vois. Quoi. Mais je trouve que c'est quand même différent parce que bah, le land, euh, il est un peu gratuit, mais tu ne peux pas le jouer avant le tour 7. Euh, donc c'est ouais. un peu lent. Et en plus, c'est 3 mana blanc. Mais dans un deck contrôle, tu ne vas pas jouer ça avant le tour 7 non plus, Globa au, au global. Ça dépend les match ups parce que typiquement là, tu peux le jouer tour 4 si tu as besoin d'avoir un bloqueur, comme tu dis, et tu peux juste le curver pour le jouer tour 5 en Fortel. Tu fais deux anges, tu tues en trois tours, ça va très vite. Ouais, c'est peut-être que Emmeriasco est plus une carte de deck aggro, donc qui est un land pour pouvoir curver. Et si tu as 7 mana parce que tu un peu flood ou parce que la partie a duré, tu vas mettre 2-4-4 qui protègent ton board de Vras. Alors que ça, c'est plus une carte de contrôle ou alors de, de synergie forthold au global. Quoi. Ouais. Mais je trouvais ouais. que c'était intéressant de rapprocher les deux cartes parce qu'elles ont quand même un peu ça cette effet ouais. de polyvalence et de, et de création d'anges en late game. Quoi. En tout cas, la carte est, est puissante, c'est clair. Euh, et il me semble, si je dis pas de conneries, que les anges n'ont pas la vigilance avec Emery euh, Ascol. Alors que là, ils l'ont. Et euh, c'est euh, très bien pour pouvoir beat down et bloquer. Ok, effectivement. Si je ne je... dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout. Très bonne question. Euh, Dual Strike, bonne petite carte de combo. Euh, ça permet de, pour un mana en fortel ou pour De rouge de copier le prochain spell euh, qui coûte 4 ou moins euh, ce tour-ci. Donc, Enfin euh, le prochain spell que vous castez, donc vous ne pouvez pas copier un contre. Ouais. Et vous pouvez choisir une nouvelle cible. J'ai vu pas mal de trucs passer sur Twitter euh, sympathiques avec Dual Strike. Je sais pas si ce sera joué, mais c'est le, le genre bah, de si carte les, qui est double des combos. Les effets double cast, on en a dans chaque standard depuis X années. Et... Ça on ne sert rien pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants ici Tout, tout, tout. Je passe, je passe. Non, on peut passer rapidement. Même s'il y a des bonnes cartes de draft, on en parlera le, le moment venu quand. Euh, ah, un quand on au point. Intéresser euh, au draft sera là, quoi. Mais bon. Ah ouais, <laughs> c'est pas le même, quoi. Il fait pas. pas, pas, fait le pas même. Une bête tour 3 euh, une bête tour. tour enfin, euh, un tour 3 autour de pardon. Non. Ah, Cyclone Summoner pour sept manavale. Parle-nous-en. Cyclone Summoner, c'est un créature, euh, créature sorcier et géant, donc il a deux bons types, il est 7-7 pour 7. À chaque fois que euh, le Cyclone Summoner arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez joué depuis votre main, vous pouvez retourner tous les permanents dans la main de leur propriétaire, excepté les géants, les terrains et les sorciers. C'est un gros pâté, c'est une bonne carte de draft, surtout de scellé. J'ai un peu du mal à voir comment on jouera ça en standard, pour le coup, hein, par contre. Ouais, il faut l'avoir cassé de la main, donc c'est un petit peu plus chiant. On ne peut pas trixer. Ouais. Après mais, pour cette mana, si dit tiens reprends tes jouets, et moi je continue à m'amuser. Ça fait faille cyclonique euh, si vous jouez géant ou sorcier, parce que du coup vous allez rien reprendre en main vous et l'adversaire si. Et du coup, si vous avez deux 3 bêtes, typiquement le géant qui double tous les dégâts des géants, bah, souvent c'est l'étal sur Cyclone bonheur. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même cher, mais. Ouais, Bah c'est buff. En tout cas, effectivement, l'effet est puissant. Si tu arrives à jouer géant et que tu à aligner cette lande et à curver ça et que tu gardes des gens sur le champ de bataille. Les étoiles se sont alignées mais c'est sûr que tu vas tuer le mec quoi. Ouais. En plus que si jamais vous avez rien sur Chomataille, taille, bah juste pour 7, vous mettez une 7-7 et lui il a plus rien en face. Parce que lui même ne se bounce pas. Donc euh, vous reprenez le board instantanément avec une grosse bête. Ouais, c'est peut-être meilleur que que soit ce... en fait ça dépend encore une fois d'à quel point G Giant est jouable en standard. Tu as la sensation que c'est un peu comme pour Elf, il nous pousse à jouer de Giant, mais pour mmh. l'instant, je trouve ça pas aussi convaincant euh, que Elf pour le coup. Parce que les coûts de mana vrai. sont un peu élevés, tu vois. Ah ouais, mais il faut pas oublier que la sauce giant, c'est une dinguerie. Euh, oui, bah, je préfère la sauce du Mexican. Voilà. Dites dans les commentaires, team, team petite mayonnaise citronnée ou, ou team sauce giant. Ah, la mayonnaise citronnée. Battle of Frost and Fire, ça c'est bien et ça trigger avec géant, mais pas que. On s'en fout de jouer géant avec cette carte. Ouais, c'est une bonne carte. Pour, pour 5 mana, on a une excellente saga avec un dessin très cool, comme toutes les cartes de Magic, mais surtout les sagas. Euh, elle arrive, elle fait quatre blessures euh, à toutes les créatures non géants et à tous les Planeswalker. Donc ça c'est fort, ça fait effet de Colère. Non, c'est ça? Colère de la Standsvras, tempête. ouais. Colère de la tempête. Euh, quand ça arrive en jeu, juste que ça ne touche pas les géants. Pour deux euh, euh, deuxième effet, pardon, on va à Sky 3. Pas mal. Euh, on va s'assurer de trouver des, des cartes sympathiques. Et troisième effet, quand vous castez un spell qui coûte euh, 5 mana ou plus ce tour-ci, vous piochez deux cartes puis vous défaussez une carte. Avec quoi ça marche bien ça bah Déjà avec les géants, puisque forcément ils ne meurent pas dessus. Et, euh, et au-delà de ça, ça marche bien avec Uryon. Ou même comme une bonne carte de deck tout court. Hein. Euh, parce que souvent c'est vers le tour 7 que vous allez avoir envie de caster des, des trucs un peu buff. Et là, c'est au tour 7 que l'effet va se déclencher pour vous faire piocher. Typiquement euh, Cyclone Summoner si on veut jouer géant ou un, un kill. Comme une. Euh, euh, comme quoi Comme un gros pâté à 7 hein, qu'on joue dans des comptes. Charius des rêves par exemple. Charius des rêves, ouais, ça coûte 6, mais ça marche. Euh, du coup, cette Battle of Frost, ça, elle marche très bien avec Yorion. Parce que quand vous la blinquez. Ouais, je, cr je crois que globalement, il y a marqué Caster Yorion à la troisième, à la troisième étape. Hein. Ça marche très bien parce que quand vous la blinquez, euh, bah, ça va refaire 4 dégâts et Yorion, il a 5 d'endurance donc il ne meurt pas. Et vous allez refaire votre try 3. Et si jamais vous jouez Yorion après, euh, donc vous ne pouvez pas le blinquer, mais vous allez piocher une carte parce que Yorion coûte 5. C'est quand même très 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 bien avec ce petit Yorion. Vous allez blinker les autres sagas que vous avez dans votre deck Yorion parce que la plupart des sagas, elles, match, elles sont plutôt intéressantes avec Yorion. Yorion qui est déjà un deck qui est ma foi plutôt ok en standard. Alors euh, il faudra voir du coup si on veut se séparer des couleurs hors off pour partir sur les couleurs Izet. En tout cas, s'il y a un argument pour switcher de couleur, pour switcher de couleur, c'est cette carte-là qui mmh. est juste littéralement une vraie récursive qui synergise avec ton Yorion. Ouais. Bah, c'est bien quoi. Ah ben... Je crois que c'est meilleur pour Yorion que pour l'archétype géant pour le coup. Grul, euh, vous faites ça tous les tours ou tous les deux tours, euh, il ne peut pas jouer. Si vous a pas tué avant, euh, il ouais, va lui rester 5-5 qui bloque. Il faut qu'il qu il... enfin, il... qu qu trouve toutes ses euh, toutes créatures célérité. Et... pas c'est pas facile. Ouais. Il ouais, y a vraiment que la coasting beast ou le la 1 pour 2, le Brushfire le, le, qui va pouvoir passer des points. Brushfire. Ouais. Et encore vous avez une 4-5 potentiellement euh, qui va avec, donc nice alors The Beers of Ligera c'est moins bien ça The Beers of Ligera bien. une saga pour 3 en simic bah, les gens sont contents que les cartes simic soient un peu moins bien tu vois Wizard ils, ils écoutent un petit peu ah, la ils communauté ils savent, ils savent ce qu'il faut plus faire et ce qu'il faut, qu faut faire euh, premier effet vous, jouez, vous créez un jeton 2-2 shapeshifter donc les shapeshifter ont tous les types de créatures euh, qui sera euh, donc une créature token euh, changelin with changeling c'est la capacité changeling qui donne tous les types de créatures au shapeshifter Deuxième effet, n'importe quel nombre de shapeshifters que vous contrôlez euh, ont une force et une endurance de 4 euh, et de 4, donc du coup ils deviennent des 4-4. C'est pour tout le temps, ce n'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc si vous avez plein de changelins, ils deviennent tous 4-4. Et enfin, le troisième effet, vous choisissez jusqu'à une créature ou un planeswalker, et chaque créature avec une force de 4 ou plus que vous contrôlez inflige euh, des dommages égaux à sa force à ce permanent-là. Donc le troisième effet est censé, entre guillemets, faire un anti bête ou un anti-planeswalker. Eh ben putain c'est pas dingue hein, quand même hein. euh, ça te demande d'avoir euh... non c'est pas dingue ça te demande d'avoir fait au moins un changelin au tour 2, donc faut voir quels sont les bons changelins en standard au tour 2 de pouvoir faire euh, euh, ta saga au tour 3, au tour 4 du coup ça te permet d'avoir 2 4 4 qui vont peut-être fighter une bête mais en fait le fait que ça synergise avec changelin c'est pas pas intéressant quoi Non non, ben, non au début je me suis dit bon ça fait quand même euh, pour 3 t'as quand même une 4-4 qui fait anti-bet ou anti-penzalker potentiellement mais c'est sur 3 tours et si on fait pas plein de shapeshifters comme tu dis pour faire plein de 4-4 et faire des dingueries bah c'est un peu ouais. fatigué quoi j'ai pas l'impression que que ce soit très bien en fait juste euh, le côté euh, euh, ça le change changelin donc ça va marcher avec n'importe quelle euh, tribu ça peut être sympa parce que ça reste quand même un effet euh, cool. Donc, si jamais tu joues elf splash bleu, tu vois, t'as un elf 4-4 qui va se battre potentiellement avec un truc. Mais je crois que même pas, on s'en fout en fait. Non, c est, c est... après, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, juste dans la curve, la carte en elle-même, si elle n'est pas euh, disruptée, que ton adversaire n'a pas interagi, mmh. bah, t'as un 2-2 qui devient 4-4 qui se fight pour 3 manas, c'est extrêmement rentable. Donc, on va dire que le plancher de la carte, donc son niveau minimal, est très correct. C'est par contre le plafond, donc mmh. le, le, le maximum que tu puisses tirer de cette carte-là, par contre, est vraiment naze. Parce ouais. que même si tu arrives à avoir plein de shapeshifters et à créer plein de 4-4, même son troisième effet n'est ne, ne, pas intéressant au vu du nombre de ton board. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu n'infligeras tes blessures qu'à un seul permanent. Donc, elle a un bon plancher, elle est jouable, mais par contre, tu ne feras jamais de la magie avec. Quoi. Ouais. Ouais, je ne sais dommage. pas trop quoi, quoi faire avec cette carte. Par contre, avec Mystique Réflexion, je sais quoi faire. Pour deux, on a un instant qui se fortèle pour un. Euh, choose target non-legendary creature. Donc, vous choisissez euh, une créature ciblée qui n'est pas légendaire, qui n'est pas forcément à vous. La prochaine fois que une ou plusieurs créatures ou coeur arrivent sur le champ de bataille ce tour-ci, ils y arrivent comme une copie de la créature choisie. Alors ça, je ne sais pas comment ça va marcher avec des coeur je suppose que c'est juste que le Planeswalker est une créature, et n'est pas un Planeswalker. Parce qu'il n'y a pas écrit que ça garde ses effets, etc. Mais euh... Euh, non, non, mais tu ne copies pas un Planeswalker, c'est juste s'il y en a un qui arrive en jeu, tu peux copier une créature. En fait, c'est que si tu joues un Planeswalker, après avoir joué Mystic Reflection, il arrive comme une créature et pas comme un Planeswalker. Ouais, je comprends pas alors, dans ce cas-là. Et justement, c'est pour ça que je ne sais pas trop euh, comment c'est... Euh... Enfin, le wording est étrange. Mais en gros, la prochaine fois que tu vas jouer des créatures des Penzwalker ce tour-ci, enfin qui vont arriver sur le champ de bataille, donc c'est même pas que tu vas les jouer. Euh... ça va être la créature que tu as choisi au préalable sur la première ligne du texte, Exactement. Ça un Mais j'ai pas dit que ça copie un of the coeur j'ai dit que tu as un Penzwalker ah. qui va arriver et qui sera du coup une créature et pas un Penzwalker. Mais non, attends. Ah, OK, alors OK. C'est next, c'est moi qui comprends pas ouais. la carte. En fait, ça, moi ce que j'ai ça transforme que tout ce que tu joues en ce que tu as choisi, y compris un of the coeur Donc si tu joues Narset... D'accord. Là, euh, c'est la D'accord, hein. ok. Ben J'avais pas compris. Créature. Pour moi, en gros, tu ciblais une créature. Dès que quelqu'un joue à une créature en plein Soccer, ça fait proc la Mystique Réflexion. C'est juste l'élément déclencheur. Ouais. Donc, du coup, tu as un proc, tu as un jeton de la créature que tu avais choisi au préalable. J'avais pas, euh, pas compris que toutes les cartes qui arrivaient sur le champ de bataille prenaient la forme de la créature choisie. Mmh. Euh, c'est voir des très euh, bizarrement. Je, ouais. je me demande ce qu'on peut faire avec ça. et ben, on peut faire des combos. Euh, il ouais. y a une combo d'ailleurs en standard euh, avec seulement 3 cartes qui one shot l'adversaire donc c'est pas mal avec euh, terreur d'épique tu cibles terreur d'épique avec mystique réflexion et tu joues euh, un générateur qui... enfin, une carte qui crée 2 tokens et avec la terreur d'épique que tu as déjà et deux 2 terreurs d'épique qui arrivent en jeu ça met 20 ok et c'est quoi le générateur de deux tokens c'est une carte qui est intéressante individuellement euh, alors je sais pas s'il y a sonné l'alerte en standard je crois pas mais tu as pour 4 un truc qui met deux tokens gobelins à la base Ok, ouais, tu peux jouer ça aussi en Patriote avec Augure euh, du Soleil. Augure du Soleil, ouais, ça marche aussi. Ah, c'est intéressant, ça pourrait donner un espèce de Jeskai Orion Control, qui essaierait de, de se transformer un peu en Jeskai duca donc un deck Jeskai qui veut contrôler la partie, et tuer ouais. avec une combo en late game. C'est ça. ça, ça permet aussi euh, de... Ça marche sur l'adversaire. Je ne sais pas si j'ai dit vous tout à l'heure, je me suis peut-être un peu embrouillé, parce que le texte est complexe, mais ouais. euh, si jamais l'adversaire dit je joue mon, mon énorme pâté, mon dragon blanc aux yeux bleus, vous dites, attendez, je joue mes six réflexions, je cible ta 1-1 pour 1, et du coup, son énorme pâté devient 1-1 pour 1 quand il arrive en jeu. Ouais, après ça, en fait, je crois que c'est une bonne carte de combo, mais dans tous les autres situations, c'est pas bien, parce que là, ça nécessite que ton adversaire, il y ait un à côté pour disrupter sa créature puissante, ouais, tu, peux tu gagneras toi. plus à avoir. Tu... Ouais, mais fin, au global, tu gagneras à avoir un anti-bet, si on n'est pas capable de jouer en combo cette carte, on la jouera pas. Par contre, en combo, j'avoue que ça me, ça me titille un peu. Ah, ça mais nécessite mais... que tu joues tout dans le même tour. Genre, euh, je trouve que l'effet de disruption est insane. Genre, ça te permet de, de nullifier une bête si jamais il y a quelque chose sur le board. Et, euh, <coughs> pardon. J'ai plus de voix. Et en plus, tu as un, un aspect combo. Mais juste toi, tu peux te buffer. C'est-à-dire que tu peux multiplier tes grosses menaces. Euh, tu peux faire que tes top decks, en fait, plus tard, deviennent forcément une grosse menace si tu en as sur le board. Ou alors que justement, ton adversaire, à l'effet inverse, ses menaces qui va piocher, qui va jouer, deviennent des trucs moins bien. Même si ouais, c'est pas des 1, tu vois, j'ai pris deux extrêmes, ouais. mais s'il fait une chariot de rêve et qu'il a une 4-4 sur le board, bah tu te dis, bah non, c'est pas une chariot, c'est une 4-4. Ça reste ok. Ouais, je... je crois qu'effectivement, ça reste ok dans ton deck plan combo où tu as cette carte-là qui est à la fois une de tes cartes de combo que tu peux rentabiliser comme autre chose. Mais globalement, si on veut jouer un deck contrôle avec du bleu, on va jouer des, des contre-sorts ou des anti-bêtes et pas ça, je pense. Alors je pense que justement, la carte se recycle. Dans son but d'être une carte combo, et c'est là où elle est puissante, parce que du coup elle n'est pas étroite et seulement réservée à la combo. Mais globalement, je crois que si jamais tu ne packes pas de combo dans ton deck, tu joueras pas Mystique Réflexion. C'est le, le sentiment que j'en ai. Après, je ne suis pas euh, catégorique. Hein. Ouais, tu peux faire des, des effets d'arrivée en jeu. Hein. Si tu joues le, le, le géant de tout à l'heure et que tu l'as sur le board, bah, ton adversaire il va jouer une carte, tu le transformes en ce géant, toi ça te booste rien parce que tu as des géants et lui il se booste son propre board. Ouais, là, là encore tu cherches les synergies, mais si déjà en standard tu arrives à caster ton géant, euh, t'es déjà super bien quoi. Ouais, t'as pas forcément besoin de. Ouais, je trouve qu'elle ouais, a plein de très bonnes applications d'effets d'arrivée en jeu. Et là, j'ai juste non, pas réfléchi vrai. à tout ce qu'elle fait. Mais il euh, y a plein d'arrivées en jeu. De toute façon, le, le standard c'est euh, euh, standard arrivée en jeu, tu vois. Ouais. Non, mais que, déjà le, 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 fait, le fait que ça soit une carte qui te permette de monter un jeu combo sans trop de difficultés parce que toutes les cartes sont individuellement puissantes. Mmh. C'est-à-dire dans ton jeu combo contrôle. Augure du Soleil, ça te permet de temporiser les premiers tours. Donc c'est une carte qui est vraiment très intéressante, qui se blinkera avec Yorion. La Terreur des pics, euh, bah c'est une carte qui, en late game, te permet juste de, de tuer. C'est un bon, un bon effet à blink avec ton Yorion. Et la Mystique Réflexion, tu peux justement la détourner de son but initial, en, en, comme tu disais, en anti-bet, mais elle te permet de faire combo au TK instantané. Mmh. Euh, franchement, là, il y a un deck. Il hein. y a vraiment un deck. Genre, je c'est euh, euh, très bien. Ouais. C'est du level du, du standard mais je pense que c'est seulement parce qu'il y a la combo. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ah bah oui c'est sûr que sinon, c'était juste une manière compliquée euh, de gérer l'ancien des bêtes. C'était ça mon propos. Toutes ces applications font que qu'elles sera peut-être jouables euh, dans des decks euh, où la combo est vraiment minime. Euh, c'est juste une version finale à la partie. Quoi. Je vais builder à la fin de cette vidéo. Voilà. Je fais. trouve ça, la carte dingue et j'aimerais bien voir toutes les combos qu'on peut faire en standard, en historique. À mon avis, il y en a plein. En standard, il y en a moins. Mais euh, ne serait-ce que Terreur des Pics, euh, copier. Euh, bah, ça sur Ultimatum, ça tuera sur mystic Réflexion et, et Générateur Token. La plupart des meilleurs decks de standard, c'est des decks contrôle qui peuvent paquer une combo euh, qui, euh, qui individuellement euh, sont mmh. puissantes. Quoi. Je veux dire, Jessica et Lucas c'était exactement ça. Alors effectivement, il ouais. y avait Teferi et Fire qui était le vrai problème, mais on est dans un standard avec un niveau un peu plus bas, on testera en tout cas. Mmh. Exact. Et euh, si ça peut rassurer les gens euh, qui ont souvent peur des combos, euh, bah, sachez qu'en tout cas, les decks, comme tu dis, valent midrange ou contrôle combo, c'est ça qui bat très très bien les decks midrange tout seul. Donc les grûles qui essaient de faire de la magie, euh, bah, si vous arrivez à ne pas mourir tour 4, vous les tuez. Et les decks qui font extrêmement de value comme monogreen, eh bah, en fait, eux, ils ont des moyens de tuer qu'à à long terme. Donc, si jamais euh, early dans la partie où vous faites combo, j'ai gagné, bah, il n'a pas le temps de faire son plan de jeu. Ouais, mais De, de toute façon, là, on te demande de jouer un contrôle combo et pas un combo parce que tu peux pas faire ça en early. C'est ça ouais. la puissance. Enfin la puissance Et ce qui fait que l'archétype est faire, le deck sera faire, c'est que tu ne peux pas early combo avec, ce, avec la synergie des cartes dont on parle. là. Tu peux tuer tour 6 euh, sans rampe. Ouais, tu peux, tu peux tuer tour 6, mais ça sous-entend que ta terreur d'épique elle a, elle a passé le tour. Quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, euh, c'est quand même un peu plus compliqué. Globalement, tu vas contrôler la partie et, et tout jouer d'un coup, je pense. Ouais, je pense. Euh, ensuite, Battle for Bretagard. Ouais, ah ça, moi, pardon. Battle for Bretagard pour 3. Trois... Ouais, tu sais, lesna ça ne me vendait pas du rêve, mais, euh, mais je suis parti, c'est parti. Pour 3, premier effet, vous créez un, un jeton humain, un, un blanc euh, guerrier. Donc, deux bons types. Euh, le deuxième effet, vous faites exactement pareil, sauf que le jeton il est vert et il est euh, elfe et guerrier, et non pas humain et guerrier. Et le troisième effet, vous choisissez n'importe quel nombre euh, de jetons. Alors non, c'est d'artefacts. De, de, de jetons, jetons artefacts artefact, ou, de jetons euh, voilà. ou de jetons créatures euh, que vous contrôlez avec des noms différents. Et pour chacun d'eux, euh, vous pouvez créer un, un token, donc un jeton qui est une, qui est une copie de ce dernier. Euh... Non. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire avec le troisième, avec le troisième effet En gros, déjà, ah. ça va doubler tous les jetons que t'as déjà. Ouais, euh, bah du coup, ça fait que pour 3 manas, t'as 4-1-1, techniquement, si tu vas pas chumblock avec, etc. Mais ouais, euh, c'est pas incroyable. C'est pas bien. Tu, tu peux copier ton jeton Shifter avec euh, l'autre saga pour faire une autre 4-4. En fait, ça te pousse à avoir un deck qui crée plein de jetons différents. Euh, mais. Mais non, je, on s'en fout en fait. Tu non, vois. non, c'est pas, c'est pas, pas très bien. Ouais. Je, je suis pas. En tout cas, ça me, ça me parle pas. Je vois pas en fait comment casser son troisième effet et donc juste le, le ouais. plancher de la carte, donc son niveau bas, le, juste le niveau a individuellement est pas incroyable. C'est le troisième effet. Franchement, c'est fatigué. Si c'était le premier, ça aurait été vraiment une carte en mode je vais faire plein de jetons différents et d'un coup je m'assagage je double tout. Euh, là, le mec est pris par surprise, c'est dur. Alors que là, c'est le troisième effet. Il euh, l'a vu venir là. depuis le mois dernier, quoi. Il te voit venir de très très loin. Exactement. Mmh. Ouais non je crois qu'on passe, pas grand chose à dire, Clarion Spirit très bonne carte de limiter encore une fois, de 2 pour 2 qui à chaque fois que vous cassez 2 spells crée une 1-1 un fly. Je vous le dis avant comme ça vous avez déjà des idées, quand vous voyez passer vous savez que les cartes sont bonnes. Euh, ouais, en fait a... attention ça dépend, ça dépend des archétypes parce qu'il y aura quand même une hiérarchie dans les, archétypes. Arché dans les archétypes de Kal'dame et euh, ouais, il faut voir dans quels archétypes elles se rangent quoi. C'est ça, ah, et ça le... en hors -of, le coup de caster 2 spells par tour euh, souvent c'est un truc que les gens vont pas forcément prendre, qui va être sous-estimé à mon avis. Donc je suppose que si vous piquez ça, euh, vous allez être pas mal. On verra, sauf ça de la merde. En tout cas, la carte est forte. Autre une qui est forte, euh, qui est, que je trouve intéressante, mais qui marche bien avec Thoralf, même si Thoralf marche avec rien. C'est Aegar the Freezing Flame, 3-3 pour 3, -3, -3 qui, est qui est légendaire, géant et sorcier, avec un artwork incroyable. Euh, quand une créature en planeswalker qu'un adversaire contrôle subit des, euh, un excédent de dommages, tout court. Donc même excédent de dommages combat. Ah. Quel plaisir. Si un géant, un sorcier ou un sort que vous contrôlez a infligé des blessures à ce, euh, ce tour-ci, lui a infligé des blessures à ce tour-ci, vous piochez une carte. Donc Vu que si vous jouez la thématique géant, ce sera forcément géant, sorcier ou sort qui va faire ses dommages. En gros, ça marche tout le temps. Ça veut dire que si vous faites ne serait-ce qu'un point supplémentaire sur des créatures ou des plein au cœur, vous piochez une carte à chaque fois. À chaque fois ou une fois par tour euh, Pour chaque À chaque excédent pour chaque excédent. Donc, si tu attaques avec des 3-3, il bloque avec des 2-2. Bah, pour chaque 2-2 euh, que tu vas tuer, bah, tu vas piocher une carte. Okay. Bon, le but, c'est de ne pas de piocher 4 partout, hein, mais c'est de faire de la plus-value à tout. Euh, notamment à un spell qui marche avec les géants, qui coûte 2 mana, qui inflige 6 blessures à une créature en pleine zoker, et qui va quasi tout le temps infliger des blessures euh, euh, excédent, ouais. excédents. Du coup, en fait, ça devient pour 2 mana, euh, détruisez une créature en pleine zoker, piochez une carte. Si okay, c'est peut-être euh, c'est peut-être un early drop euh, qui rend la mécanique géante un peu plus jouable déjà parce que mmh. justement ce qu'on avait peur avec les géants c'est que bah c'est bien il hein, y a plein de gros pâtés il y a un moment il faut il faut survivre à ouais. un hein, 4 dans le standard ouais. euh, et bah Eger, ça peut ça peut débloquer un petit peu le, la synergie ouais yep bah je trouve que la carte est intéressante mais peut-être trop faire, trop gentil je sais pas en tout cas c'est le genre de carte ouais. qui peut lier le tout et faire que géant soit intéressant en donnant de la plus-value à, à jouer justement à bah, géant. Quoi. Ou peut-être qu'on va juste jouer sorcier ça. et on ne pas venir. Parce qu'il y a des bons sorciers aussi en standard. C'est mais... vrai, tout, tout, tout le monde attend géant parce que c'est un peu nouveau. Mais peut-être que en fait, depuis le début en mmh. Soum Soum, c'est Wizard. Bah, J'adorerais qu'on qu joue euh, géant-wizard. Tu vois, qu'on joue des bons géants et des bons Wizards. Et on ne on soit pas obligé de jouer des géants nuls pour compléter le pack. Et ça, fait, ça donne juste un, un mix étrange où il y a euh, des humains qui font de la magie et euh, des colosses qui font de la magie à côté. Et on se régale. Et parle-nous d'une de, le... des meilleures cartes révélées à ce jour. Fier Jazz, rétribution pour euh, 4, un incolore, deux blancs, un noir. Premier effet de la saga, vous allez créer un ange guerrier 4-4 euh, blanc token avec euh, la vigilance et le vol. Donc euh, la même chose que la carte mythique euh, révélée euh, précédemment. Euh, son deuxième effet, jusqu'à la fin du tour, tous les anges que vous contrôlez, pas seulement celui que vous venez de créer, mais tous les anges que vous contrôlez peuvent s'engager pour détruire une créature avec une force inférieure euh, à, à la force de vos créatures, donc de la créature qui s'engage. Comme là, votre ange il est 4-4, vous pouvez tuer toutes les créatures qui ont 3 de force ou moins. Euh, et le troisième effet, tous les anges que vous contrôlez ont le double strike, donc la double initiative jusqu'à la fin du tour. Si vous n'avez qu'un seul ange, vous allez mettre 8. Euh, c'est super fort, c'est super fort. C'est une carte blanche, mais on voit quand même qu'ils ont rajouté le petit symbole de mana noir pour justifier la puissance. Faudrait pas donner trop de bonnes cartes au blanc quand même, faut pas déconner. C'est une carte pareil qui marche trop trop bien avec Orion parce que bah tu vas créer ton ange 4/4, tu vas pouvoir blinker, ça se curve, hein, tu vas pouvoir blinker ta saga, tu vas recréer un ange 4/4. Du coup après tu vas pouvoir engager tes deux anges pour tuer deux bloqueurs en face ou tuer juste deux créatures et puis derrière tu mets 16 en phase d'attaque. Enfin euh, la carte elle est juste, tout le monde va tester ça en début de tour. Ouais. Bah, je crois qu'on est juste sur un 5 couleur Yorion saga en fait. Je pas, non, je pense justement à va faire faire des choix, tu vois. Genre, est-ce que tu joues, est que tu, le deck dont on parlait, là, le deck combo en patriote, tu peux jouer la saga Iszette. Ouais, c'est vrai. Par contre, si jamais tu veux continuer à jouer of tu vas peut-être partir sur un build de contrôle ange avec Firja rétribution. Il y a mmh. peut-être juste deux versions d'Yorion différentes qui sont toutes les deux blanches. Il y en a une qui va être espère et l'autre qui va être patriote. ouais c'est vrai. Euh, je voudrais juste dire que si vous jouez le, la mythique de tout à l'heure euh, et que vous la fortelle au tour 5, donc ça veut dire tour 4 vous faites un ange, tour 5 vous en faites deux en fortellant l'autre et euh, tous vos anges peuvent détruire euh, des créatures, donc potentiellement euh... ah, trois. À quoi que tu ne pas s'engager si tu les fortelles, mais il y aura ouais. un ange qui pourra tuer un truc et tour 6 tu mets 24 en fly, vigilance. Donc juste avec deux cartes, c'est pas euh, la combo one shot de tout à l'heure, mais c'est quasiment pareil. Hein. Non, mais la carte, en fait, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que la carte, elle, pour parler de son, son seuil minimal, donc son plancher, il est trop bien. C'est-à-dire qu'individuellement, ouais. la carte toute seule est trop bien. Mmh. Oh, ouais, ça vous fait un bloqueur euh, ou un attaquant qui a la vigilance, donc ça fait les deux, qui va tuer une bête et qui va mettre 8. C'est-à-dire qu'en plus, tuer la bête, elle a même pas besoin de ne pas attaquer. Parce qu'elle a la vigilance. Énorme. Ah, je, je suis fan moi, de, de la carte, je trouve que c'est une des meilleures cartes révélées. Et... Et c'est autant dans un plan de jeu hors agro euh, Ange que dans un plan de jeu Orion. Euh, c'est Trop trop bien. Très très bien comme carte. Très cool. Alors euh, Raiden euh, God of the Warcy et qui est derrière Val Valkmira, Protector's Protector Shield. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont parlé de cette carte en disant qu'elle a été insane et tout. Euh, je suis un peu plus mesuré sur mes propos moi. Si attends, lis-moi là oh, et je, vais, je me souviens plus de ce qu'elle fait. On a euh, donc un dieu blanc. Enfin une DS blanche plutôt. Pour 3, on a une 2-3 fly vigilance, bonne stat. Les landes euh, neigeux que vos adversaires contrôlent arrivent le champ de bataille engagée. Et euh, les non créatures spells, euh, donc les spells non-créatures que votre adversaire lance avec un coucou ainsi de mana de 4 ou plus, euh, coûtent 2 de plus à lancer. Et de l'autre côté, on a Valkmira, du coup, Protector Shield pour 4 mana euh, Donc elle se curve, euh, les deux cartes se curvent. Artefact légendaire, si une source qu'un adversaire contrôle de vous infliger euh, des blessures à vous ou un permanent que vous contrôlez, vous prévenez une de ces blessures, et quand euh, vous ou un autre permanent que vous contrôlez euh, devenez la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrer ce spell ou cette capacité à moins que son contrôleur paye un. C'est une très bonne carte qui a plein de bons effets, et en plus le fait que ça shutdown, les lands, neigeux, bah, euh, c'est euh, un plus, mais c'est pas pour ça que la carte est forcément intéressante. Mais je trouve pas, enfin, j'ai pas l'impression que la carte soit si ouf que ça. Mais je passe peut-être à côté d'un truc. Dans, dans les archétypes blancs, donc les plans de jeu euh, créatures blancs qui sont euh, qui légions dans le dans le lore, enfin dans l'histoire de Magic et dans certains formats, euh, une carte comme ça c'est juste très très fort. On voit à quel point Arconte of Emeria, ça a donné envie de jouer mono blanc que ce soit en standard ou en historique. Ça c'est juste une version busted de, de, de of Emeria, qui en plus à ce côté encore une fois, j'en reviens à. Polyvalence où tu peux avoir un, un, un intérêt sympa à jouer aussi Valkyra euh, euh, pour son côté euh, artefact légendaire mais juste Raidan la carte elle est, elle est trop pétée ton adversaire il ne pas ton board euh, ah, Raidan oui la créature elle est bien mais en fait le côté artefact je trouve euh, qu'il ne va pas du tout dans le même plan de jeu ah, et bah, on, du coup on en, ça on s'en fout un peu hein, du côté artefact ouais, en fait ça a enlevé le côté intéressant de tous les dieux où justement euh, les dieux peu importe la face ils allaient dans le même plan de jeu ils synergisaient ensemble mais euh, là, ça synergise pas trop ensemble. Enfin, euh, un peu si, parce que si tu fais tour 3 et une tour, tour 4, ça fait que l'adversaire, euh, il va avoir beaucoup de mal à caster des spells. Mais euh, c'est moins intéressant, je trouve que juste la créature est une très bonne bête blanche. Et que l'autre côté, c'est vraiment... Euh, on on s'en fout, de temps en temps, on va le cast, euh, histoire de quoi. Ouais, mais du coup, tu as une super bête blanche dans ton deck, mais vraiment qui va rendre les archétypes blancs agro vraiment très très puissants. Parce que là, déjà, en fin de standard, on voit qu'il y a pas mal de decks mono blanc qui performent. Mmh. Alors on va mettre des Raidan dedans. Et en plus, tu as l'upgrade d'avoir un peu une carte de hate spécifique contre certains decks en main deck, tu vois. Ouais. Mais effectivement, si les gens, j'ai pas vu hein, sur les réseaux sociaux, si les gens se sont euh, esclafés sur Valk euh, Non, je, je m'esclave plutôt sur Raidan. Ouais, je pense que c'était plus sur Raidan, mais euh, de mémoire, en fait, ils trouvaient la carte en général ouf et tout. Euh... Justement, une super carte blanche enfin. Alors que, bah, comme c'est un dieu, moi, je m'attendais à ce que les deux côtés soient très bien. Et on a juste une très bonne créature d'un côté, mais on aurait pu juste faire la créature seule et faire un dieu qui a deux effets plus intéressants, tu vois. Mais je passe encore peut-être à côté de quelque chose. J'ai du mal à, à bien évaluer la carte. Je trouve juste que la créature, elle est trop bien parce que du coup, tu prends pas Vras sur 4 et tu vas tuer l'adversaire grâce à ça. C'est ça. Après, le Vakmira contre les jeux aggro, c'est trop chiant pour lui. Hein. Je veux dire, euh, passer bah. des, des un, un damage. Euh... Euh, bah, du coup, il ne passe plus quoi. quand il t'attaque avec des 1, il ne fait rien. Hein. Ouais, mais là, actuellement, les jeux agro ils attaquent à coup de 10. quoi Donc, euh, bien il y en 9 pour non, non, 10. C'est mais... pour ça, ce que je te dis on a Raidan qui est trop bien et Valkyra, mmh. c'est un corner case intéressant de temps à autre. Ouais. Mais Raidan est vraiment solide. Hein. Ouais. ouais très, vraiment, très solide. Euh, bonne créature, ça. Euh, le cycle, bon on ne va pas tout en parler parce qu'il y en a 10. Euh, le cycle des Zonko euh, Land qui font un effet, trop bien. Euh, trop trop bien ils sont tous bien il y en a qui sont plus intéressants que d'autres le coût est un peu cher pour certains c'est 6 puissent l'engager sacrifier donc ça vous coûte un land et 7 en tout mais, euh, mais dans tous les cas que vous ayez un land un peu perdu dans votre deck qui puisse faire un effet sympa de la réanimation de la pioche des dégâts à toutes les créatures euh, trop, cool. trop, trop ouais, cool moi je comprends je comprends pas qu'ils les aient pas fait snow en fait ça aurait dû être des landes enneigées tous tu vois il y a des gens vrai. qui disent ah ça aurait dû être des, des landes bicolores je conçois qu'ils aient pas été jusqu'à les mettre bicolores parce que pour le coup ça aurait été déjà un peu plus joué. Euh, mais au moins les faire enneiger, c'était. T'as mmh. mangé pas trop de pain parce que là, Enneige ce qui est dommage, c'est ouais. que c'est des très bons landes, mais qu'on va probablement pas beaucoup jouer en standard. Effectivement. Il va falloir euh... Euh, des bicolores euh, splashés à la limite pour en mettre un par-ci par-là et encore. Ouais, ça va être très pas, pas autant qu'on voudrait les voir parce qu'ils sont tous cool. Mmh. Alors ensuite, bah tiens, il y a le réanimateur qui est là. Passons... alors peut-être qu'on passe à côté de Dunco ou quoi J'ai pas tout tout regardé. Enfin, je me rappelle pas de tout. Ouais, mais c'est grave. Les un coup, on les rattrapera ouais, pendant le top C'est ça. Oh, bah la carte de Raph qu'on a beaucoup aimé. Ascendant Spirit, tu sais plus c'est à moi, c'est à toi d'en parler. Euh, je ne sais plus, mais vas-y, si t'es chaud. Bah, j'y vais. Euh, pour un mana bleu, on a une 1-1 Snow Creature Spirit. Donc très bon type. Pour 2 mana euh, neigeux, ça devient une 2-3. Spirit Warrior, donc il gagne en plus un bon type. Pour trois mana euh, si c'était déjà un guerrier, euh, on met un marker fly dessus. Et ça devient un Spirit Warrior Angel. Donc ça gagne encore un autre type. Qui devient 4-4. Donc on a une 4-4 fly autour 3. Si on la curvé, bien sûr. Et euh, pour 4 mana, si euh, l'ascendant Spirit était un ange, on met deux marqueurs dessus et il gagne l'effet euh, quand cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Piocher cette carte. A noter qu'on peut faire plusieurs fois l'effet pour mettre à chaque fois deux marqueurs en plus. Euh, C'est que les autres effets que vous ne pouvez pas faire plusieurs fois parce que ça sert à rien. Euh, mais ça gagne aussi euh, l'habilité euh, de piocher une carte quand ça inflige des blessures plusieurs fois. Donc à chaque fois que vous allez le faire, vous allez piocher deux cartes quand vous touchez, puis trois cartes, puis quatre cartes. C'est euh, des juges qui ont confirmé. Donc euh, peut-être que les juges sont trompés, mais ouais. je trouve que la carte est euh, très bien. Ascore toute seule, vous, vous pouvez faire une menace énorme juste avec une seule carte et en investissant votre mana dedans. C'est bien. Ouais, vendredi matin sur mon stream, tout le monde m'a dit que c'était éclaté dans le chat et euh, j'ai essayé un petit peu de la défendre en expliquant que, bah oui, euh, si tu veux curver ça dans un deck bicolore, tricolore, c'est éclaté au sol parce que ça te demande d'avoir ah, des landes et qu'on n'aura pas de landes neigeux dans les decks bi ou tricolore. Mais si y a un archétype mono bleu, euh, neigeux, fortel, qui, se, qui, qui, qui peut se laisser entrevoir, bah cette carte-là, elle est très très bien. Donc c'est une carte qui, effectivement, quand tu la contextualises, elle n'est pas très très bien, mais dans un certain archétype, qui en tout cas se laisse entrevoir actuellement, bah, la carte elle est trop bien. Si on joue mono bleu fortel, c'est exactement le genre de carte dont on avait besoin. Mmh. Ah ouais, c'est encore un... heureux trop bien. que c'est du mal d'un des jeux, tu vois. Ouais, c'est clair. Euh, passons, passons. Tuk, tuk, tuk. In Search of Greatness. Alors ça, on a des choses à dire sur cette carte. Ouais ah bah ça, ça y est je vais confirmer encore plus que je disais l'autre fois que c'est pas bien du tout. Pour deux un enchantement in search of greatness. Euh, au début de votre entretien de votre entretien pardon, vous pouvez euh, caster donc jouer euh, un permanent depuis votre main avec un coût converti de mana égal à 1 plus le plus haut coût converti de mana parmi les, les autres permanents que vous contrôlez sans payer son coût de mana. Si vous ne le faites pas, vous pouvez scry 1. Alors cette carte-là elle ne se compte même pas dans les plus hauts co-convertis de mana. Donc, si vous faites ça tour 2, vous ne pouvez même pas jouer un tour 3 au tour 3. Et ouais, vous pouvez profiter de son effet. Et de, euh, voilà, Vous pouvez jouer une d'or. Vous pouvez même pas faire euh, deux tours 3 au tour 3. Ça vous demande de vous décurver, en fait, pour pouvoir faire un, ce qu'on appelle un big turn. Et donc, essayer, entre guillemets, pendant un tour ou même plusieurs, jouer plusieurs cartes dans le même tour pour tricher sur la mana. Mais ça demande tellement de setup... Ça demande d'avoir déjà euh, un coût converti de mana assez élevé sur le champ de bataille. Et ça te demande en plus d'avoir investi le de mana dedans avant. Et moi, ça, franchement, j'ai aussi débattu de ça euh, vendredi matin sur le chat. Je trouve que c'est vraiment très très faible. J'en parlais aussi jeudi et, euh, dans mon stream. Et je disais que pareil, euh, en fait, ce n'est pas si bien que ça. Quoi. Si elle se comptait dedans, non. ce serait vachement mieux. Ça Quand on en fait parlait, on avait oublié qu'elle qu ne se comptait euh, pas dedans au début. Ouais, et encore même... Euh... Enfin, moi, même quand est-ce qu'on comptait dedans, moi je trouvais pas ça bien. Donc... Ouais, je te disais, euh, si jamais, enfin, tu fais ça, tu vides ta main très vite, tu ne pas, euh... enfin, si jamais tu fais, allez, je mets tout d'un coup, le mec fait ah ben voilà, j'ai plus de main, j'ai plus de créature, euh... terminé ça. quoi. Ça, ça te demandait en plus d'avoir la bonne suite de cartes et les bons coups couverts de mana dans la main. Enfin, franchement, globalement, cette carte-là, elle est, elle est 1 1 Je vois même pas comment on l'a fait euh, tourner cette carte, tu vois. Ouais, peut-être qu'en fait, c'est une carte que tu joues euh, tard dans la partie. Quand tu as déjà euh, des choses qui, qui veulent cher sur le board. Et du coup, le tour suivant, genre typiquement, tu la joues plutôt tour 4 ou 5, tu vois. Et tour suivant, tu veux mettre deux gros trucs. C'est peut-être comme ça qu'il ouais, faut la jouer, mais encore ça là, veut dire euh... que Ça veut dire que tard dans la partie, il faut que tu aies en main deux cartes qui soient pile un de plus que le plus haut coût converti de mana que tu as déjà. Non, il faut que tu en aies qu'une. Par exemple, si tu as un drop. Euh, oui, si enfin, drop 5. Oui. Ce... Oui, il faut que tu en aies une, il faut que tu aies un drop 6 en main. Oui, effectivement, parce qu'après, l'autre, tu peux la payer avec ton mana et pas besoin, ouais. du coup, de passer par la carte. Mais enfin, c'est... Non, je, je pense que c'est une fausse clair. bonne idée, euh, à moins que ce soit un Enabler de une quelconque combo ou autre, mais... Non, je, je, je crois pas. Non, je crois non, que ce soit très bien. J'aime pas du tout. Ah, par contre, ça c'est très bien. far ouais. Avenger. Pour deux, on a un Elf Berserker, deux bons types. 3-1, super stat aggro. Quand, une autre, euh, quand un autre elfe ou berserker que vous contrôlez meurt, ce qui n'est pas dans le jeton, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Super. Super. Ça marche trop bien avec elf, Ça marche bien avec euh, le deck berserker ange, peut-être, ou juste berserker. Il n'existera pas, hein, je pense, mais euh, l'elf, lui, il existera. <laughs> euh, c'est un early drop, c'est aggro, ça fait de la value. Euh, ça se compte pas dedans. Euh, dommage, mais ça aurait été un petit peu pété si ça se comptait dedans. Juste, euh, juste on est bien, quoi. Ouais, voilà. C'est trop bien. Bah, ça permet euh, d'entrevoir ouais. les possibilités de jouer Golgari Elf en standard. Donc, Exactement. Ça, c'est le genre de carte. On se dit bon, Golgari Elf commence à être pas mal. Il faudra avoir les drops qui fasse de la value. Paf, il est là. Nickel. On en demande pas plus. Ensuite, on a les petits noms encore sympas. Ah, Tundra Fumarol. Ça aussi. voilà euh, Les gens disaient waouh, c'est abusé. Un antipède gratuit. Et moi, je trouve pas Alors. ça encore une fois exceptionnel. Je te laisse la lire. Toundra fumarole pour trois. 3... J'ai déjà lu, je vois, je vois exactement ce que c'est. Pour trois rituels euh, enneigés, la Tundra fumarole inflige quatre dommages à la créature ou au plein soccer ciblé. Vous pouvez ajouter un mana incolore pour chaque mana neigeux dépensé euh, dans ce spell jusqu'à la fin du tour. Euh, vous ne perdez pas le, le, le mana que vous avez investi à, à votre étape de fin. Euh... Bah, si tu joues neigeux, c'est trop bien. Voilà. Y a... En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Je comprends que les gens se... soient euh, choqués. Si on a des archétypes neigeux qui sont jouables, bah, t'as un anti bête pour 3 qui t'a coûté euh, rien du tout et qui t'a permis d'avancer de 3 mana quoi. Bah ouais, mais il faut jouer mono rouge-neigeux et c'est pas du tout les couleurs de... du plan neige, tu vois. Bah alors, il faut jouer mono rouge-neigeux, ou alors on se trompe et certaines bicolorités ou tricolorités euh, peuvent, euh, peuvent jouer neigeux. Peut-être. Euh, moi, je veux plus ça comme euh, dans ton mono raid, bah tu vas juste remplacer tes basiques par des, euh, des montagnes enneigées. Et il euh, y a juste un tour où tu vas pouvoir faire euh, euh, anti-bet, je garde le mana et je m'en sers pour Amberclive. Euh, ouais, ou, ou alors, dans, dans le même tour, tu vas faire anti-bet et je pose mon Anax. Quoi. Alors, je pense globalement que c'est une bonne carte. Hein. Bah, c'est bien, mais genre, là, je euh, les gens, j'ai l'impression, presque se plaignaient en mode « Oh là là, c'est trop pété !» Alors que moi, je trouve ça bah, juste bah, euh, jouable. Quoi. Bah, dans, dans Mono Raid, quand au tour 3, tu as le droit de faire anti-bet, Anax... Non, je non, crois qu'effectivement ça, ça peut donner des, des ça dictures. te donne 3 mana euh, incolore ah, ça te donne de l'incolore ouais. donc tu peux pas donc, derrière. tu peux pas curve, ah c'est sûr que si tour 3 tu faisais anti bête bet, -bet ah, c'était fort mais là non, non ouais, ça ouais, te demande de pareil, le non. jouer plus tard donc de la jouer hors curve euh, là où peut-être que 4 dommages ça suffira peut-être plus ou euh... enfin, ouais je trouve ça pas pas pété quoi ouais je suis d'accord, bah, là effectivement euh, la... la manière dont tu me la présentes ça me vend pas du rêve mais je comprends que les gens aient peur tu vois un spell gratuit qui se rentabilise et qui te permet en plus accessoirement de ramper. Tu mm. vois le, le wording fait peur. Après, quand tu contextualises dans le format, peut-être que peut-être c'est pas bah, très bien. Ramper non, parce que c'est juste que la carte est gratuite, mais tu, tu perds le mana à la fin du tour. Tu l'as que juste pendant ton tour le mana. Ouais. Enfin, il y a marqué you don't lose this mana at step and phase end jusqu'à la As fin du steps tour. steps and phase end. Ouais. Donc c'est à dire qu'à la fin de ton tour, tu perds quand même ton mana. Voilà pourquoi il y a cette... Euh... Pourquoi il y a en ce fait, euh, euh, c'est Wardy pour que euh, quand les phases euh, et les étapes euh, se terminent, tu gardes ton mana. Mais pendant ton tour, genre la phase de combat se termine, tu gardes ton mana. Mais à la phase de fin, tu le perds parce que c'est jusqu'à la fin du tour. D'accord, ok, c'est bon. Donc, euh, ah si ton prochain, t'avais encore 3 manas incolores. Bah ouais, c'est ça. Alors, mais moi, j'ai pas compris la carte. Je pensais que le tour d'après, euh... non, non. t'avais encore tes 3 manas quoi. Non, tu les perds à la fin du tour. Je sais pas quoi en penser. Je n'ai pas trop d'avis là. Je ne serais pas capable de trancher. Moi je vais trancher je vais dire c'est de la merde, mais bon. Ok. Je me trompe peut-être. Je vais faire un arguments pour invalider ton propos là. Ouais. Euh, ça des gens parlaient, je sais pas pourquoi. Je sais que la carte peut se jouer pour 0 en fortel Alors vous ne pouvez pas la jouer le tour où vous la fortellez, hein, bien sûr, c'est le tour d'après. Mais euh, beaucoup de gens disaient que jouer une créature pour 0, surtout qu'elle est artefact ça permet souvent de d'enable certains combos. Il n'y avait pas d'exemple. Je pense que moi, ça ne servira à rien, mais les gens ont parlé de cette créature qui peuvent je pense, zéro. Ouais, je, je, je m'en fiche de cette carte. Ah, Tout mais là, on a une même. bonne carte avec plein de textes, Val, que tu vas nous lire. Ouais, ouais. Très pas facile à comprendre. C'est la carte qu'il va falloir le plus relire pour, euh, pour la comprendre. Cosima, God of the Voyage. Euh, au, début de au début de votre entretien, vous pouvez exiler Cosima. Si vous faites ainsi... À chaque fois qu'un land arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si Cosima est exilée, vous pouvez mettre un marqueur voyage euh, sur elle. Si vous ne le faites pas, vous pouvez retourner Cosima sur le champ de bataille avec X marqueur plus 1 plus 1 sur elle et piocher X cartes, X étant le nombre de marqueurs voyage sur elle-même. Derrière, quand vous la retournez, vous avez un véhicule qui se croue pour 1, qui est 3-3 pour 2, les deux côtés sont légendaires. À chaque fois qu'un véhicule que vous contrôlez inflige des euh, combats euh, à un joueur, des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile la carte du dessus de sa bibliothèque et vous pouvez jouer un, un land, je crois, euh, mmh. de cette manière s'il si, euh, a été exilé. Donc ça vous permet de, de jouer un land du dessus de la bibliothèque de votre adversaire. Globalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt Cosima, mais le fait, encore une fois, que ce soit une Dual Fast Card, ça la rend polyvalente et contre le jeu agressif, vous avez peut-être un early block avec, ce, avec cette 3-3 qui peut tenir le board. Admettons, on ne sait pas. Mais Cosima, en gros, vous allez l'exiler. À chaque fois que vous allez lander, vous allez lui mettre un marqueur dans l'exil. Et quand vous allez décider de le sortir de l'exil, vous allez piocher beaucoup de cartes. C'est un petit peu l'effet Krasis qu'on n'avait plus en standard. Après, est-ce que c'est aussi puissant que Krasis Je ne pense pas. Mais la carte est, est plutôt intéressante. À noter que vous ne pouvez l'exiler qu'au début de votre entretien. Donc, ça nécessite que votre 2-4 passe le tour pour pouvoir commencer à faire son effet. Yep. Qu'est-ce que tu en penses, Val? Eh ben j'en pense que c'est pas mauvais quand même, parce que ça reste quand même un 2-4 pour 3 qui a des bonnes stats. Et si jamais tu arrives à l'exiler et que tu joues une partie de Magic avec ton adversaire, normal, où tu commences à, à jouer des terrains, à, juste à jouer une partie de Magic, si ta partie elle dure, et eh bien, peut-être que dans 6, 7, 8 tours, tu vas juste faire Tiens, je lande, Cosima revient, je pioche 10 cartes, qu'est-ce qui se passe C'est vrai que ça c'est fort. Euh, L'effet, quand il revient euh, en late game, c'est assez insane. Mais euh, moi, je trouve la carte. Pas très bien euh, pour le coup de déjà ça doit passer un tour pour euh, s'exiler. Ouais. Que pour trier son effet, il faut lander. Donc quand tu veux le reprendre pour piocher les cartes, il faut que tu trouves un dernier land pour le faire. Bon, ça, c'est pas trop dur de lander à Magic, mais il y a des games où peut-être que tu vas devoir top des land land et tu l'auras pas, tu vois. Il va falloir bien doser à quel moment tu veux qu'il revienne. Et son autre face, bah, comme Thoralf, c'est pas bien. Euh, parce que contre aggro, tu préfères avoir une 2-4 qui bloque qu'une 3-3 qui doit se pour bloquer. Surtout en bleu, tu pas forcément de quoi crouper pour un euh, systématiquement. Et ça te donne juste et... un, un... Si tu as déjà ton Cosima, ça te donne un moyen de jouer la carte, quoi. Un moyen supplémentaire. Mais je suis d'accord que le véhicule est anecdotique. Ouais. Bah, non, je trouve... Enfin, si tu as déjà Cosima sur le board, mais comme il s'exile et que tu peux avoir plusieurs Cosima en exil, euh, tu peux juste les suivants, les jouer, les mettre aussi en exil et leur mettre des marqueurs et ils reviennent, tu vois. Donc mmh. je vois pas trop le cas où tu as envie de jouer le, le véhicule, en tout cas actuellement. Et quand tu joues le véhicule, en plus, c'est même pas que tu peux jouer les landes en plus. Tu vas jouer, jouer un land par tour, mais tu peux jouer suite à ton adversaire. Que lui, de toute façon, il aura d'exilé, il pourra pas récupérer. Donc ça donne juste plus ah, suis... d'énableur à Cosima, mais pas, pas énorme. Ah, je suis d'accord, je vais, je, vais, je vais pas t'argumenter que The Omen Kill est une bonne carte. Hein. Par contre, Cosima, mmh. euh, oui, c'est réellement très puissant. Enfin, vous allez jouer une partie de Magic, et si jamais ton adversaire, il te l'a pas géré instantanément et que tu l'as exilé, tu sais que si la partie dure, tu la gagnes, quoi. Je me dis, est-ce qu'on a le temps actuellement en standard de mettre une... Enfin actuellement, ou même tout court en standard, de mettre une 2-4 qui doit passer le tour, pas mourir, et ensuite qui part, qui ne peut plus bloquer bah, En fait, en standard, tu as le droit de mettre à ton tour 3 une 2-4 qui va éponger des points parce qu'elle va, va prendre un trade... Euh, euh, enfin, en fait, elle va empêcher un 2-2 adverse d'attaquer, ou alors elle va bloquer une 3-3 favora... enfin, favorablement, où il n'y aura pas d'échange ni d'un côté de... ni de l'autre. Et si ton adversaire, il n'a pas dépensé du mana pour la gérer, c'est à dire qu'il a loupé sa curve parce qu'il a dû investir du mana pour la gérer. Et bah derrière, tu l'exiles et c'est la fête à neuneu. quoi. Ouais, c'est la fête dans plusieurs tours. Je, je trouve ça vraiment puissant de pouvoir donner une plus value à toutes tes landes, mais dans plusieurs tours ou pas. En fait, même il suffit que tu landes deux ou trois tours, tu peux la faire revenir et piocher trois cartes. Ouais, mais du coup, c'est dans quatre tours. Ouais, je veux dire, tu la fais revenir quand tu veux. Tu peux même la faire revenir le tour d'après. Non, pas quand, 3, tu peux, quand tu veux, quand tu le landes. Ouais, non, mais d'accord. Ah, mais on sait qu'on le lance pas tout. tous les tours à hein, Magic. Ah, bah on essaye de plus en plus, surtout avec les Dual fast-card. Moi, perso, en standard, je lance tous les tours là. Ouais. Genre, les decks grûles jouent 30 mana quand même, donc euh, avec les Dual fast-card. Ouais, peut-être qu'avec les DFC, du coup, ce sera facile, mais pas, je sais pas, la carte est vraiment intéressante et la, la draw et même le, le body que ça va avoir quand ça revient, c'est fort, hein, mais je suis pas persuadé, moi, que ce soit vraiment euh, jouable, malheureusement. Mais je me trompe peut-être. Mais je pas, j'ai pas l'impression que ce soit. C'est l'impression bah, que c'est trop, trop lent quoi. En fait, cette carte là, elle n'a pas beaucoup de défauts. Après, effectivement, encore une fois, mais tu vois, on est dans le spot que j'expliquais sur le, sur le, 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 les spoilers de la vidéo précédente. C'est-à-dire que Wizard opère un, un espèce de, de réduction du power creep, donc du power level général de, du level général de mmh. Wizard. Et donc forcément, Kaldem est une extension qui est moins cheatée Eldraine et du coup c'est vrai que si tu compares avec le format actuel qui est dominé par Eldraine, la plupart des cartes ont un petit peu moins de saveur euh, et peut-être que Kal'dem ne pourra pas s'exprimer aussi bien qu'il le voudrait à cause d'Eldraine. Ça c'est clair et net. Mais là globalement, moi qui raisonne toujours par analogie et qui compare tout avec Eldraine, parce que bah qu'on le veuille ou non, c'est dans le standard dans lequel on va jouer à moins que Wizards prenne des décisions, je trouve que Cosima ça reste quand même playable quoi. Alors c'est pas Hydroid Krasis mm. mais je pense que playable. Je pense que c'est jouable. En fait, j'ai l'impression que cette carte-là, si tu l'as pas en early, euh, ça va mettre trop de temps à faire son effet. Tu vois, Genre, tu vas piocher une 2-4 euh, et qui ne va pas faire grand-chose. Et le temps je que tu fasses de la value, euh, bah, tu as perdu. Donc, euh, si tu n'enchaînes pas les Cosima en early, ou si tu n'as pas juste un Cosima en early, j'ai l'impression que c'est un peu une carte morte. Tu vois bah, Je suis d'accord avec toi. Elle a, elle, a, elle a beaucoup de défauts, cette carte. Mais, Donc, euh, euh... mais son, son, son plafond, ce que fait la carte à son maximum, c'est très très fort si elle avait la Ace quand elle revenait, ça aurait permis de, de mettre une menace supplémentaire sur l'adversaire. C'est-à-dire, si je l'ai en early, ça va me faire de la value. Et en plus, quand elle revient, quand je le décide, enfin quand j'arrive à je l'ande et que je décide de ne pas lui mettre un marqueur dessus, elle va venir et mettre une énorme patate, potentiellement. Mais tu crois que dans les jeux contrôle, on va pas jouer Cosima Genre, admettons, il y a un Azorus Control qui existe en standard. Tu, tu, tu penses qu'on ne joue pas ça dedans je, je crois pas qu'on joue. Non, t'as pas envie de passer ton tour 3 à faire ça et de ne pas avoir contre-up. Et comme euh, tu n'as pas envie te, de le jouer plus tard parce que ça va être trop tard, à part en meilleur de contrôle, euh, sinon ce euh, sera trop tard quoi. J'ai plus ah, confiance pas, moi, en, je... en Leland qui est juste à gauche qu'en Cosima. Moi je crois que tour 3, j'ai bien envie de bloquer un Brush Fire 3-3 avec Cosima, euh, tu vois. Ouais. Non, mais c'est difficile. Bah, à surtout à tu n'as pas le droit donc euh, tu n'as pas trop... Euh... Tu peux pas. Ouais, donc... alors pas un Brushfire, fire, mais un, un, je sais pas, moi, n'importe quelle autre bonne bête, que ce soit un voleur des riches qui ne peut pas attaquer, que ce soit un limon, qui, un houss euh, qui est 3-3, ou alors un, un mammouth qui n'a pas landé. Tu, fin, juste prendre un bloc, en fait, genre tenir le board à, à ton tour 3, hmm. avec des stats qui sont décentes. Un mammouth qui n'a pas landé, mais je croyais qu'on landait à tous les tours, Val. Voilà. Ah ben, moi, je, je lande à tous les tours, mais il y a des scénarios. J'essaye de trouver une créature 3-3 qui est jouée en standard oui, ouais. actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Mais. Euh... C'est plus ou moins, en fait. C'est vrai que 3-3, il y en a un peu. Non, il y en a peu. Euh, effectivement, il est souvent 5-5 le mammouth, à euh, notre grand désarroi. Oh, le mammouth. Ah, je, sais, je sais pas, je suis d'accord avec toi que c'est enfin, un top deck qui est vraiment. Genre, euh, le mec vraiment, fait mammouth. Euh, très bien, quoi. Mais... Euh, et toi, tu me dis, euh, je mets une 2-4 pour bloquer, mais le mec, il fait land, j'attaque avec 5, je mets tu t'as pas de contre, tu fais, ah, bah j'ai perdu la game. Ouais, mais en fait, il, il attaque pas avec ses. Euh, il attaque pas avec ses autres cartes, quoi. Il attaque pas avec son voleur des riches. Ah euh... eh oui, mais t'as as pris 5 et t'as grand tu t'as perdu, c'est pareil, tu vois. Après, là, c'est ouais, peut-être l'exemple je... qui est pas bon et ça sera peut-être mieux dans d'autres cas, mais. Franchement, je, je trouve que c'est plein de promesses, mais t as, t as, tu peux pas jouer ça, quoi, actuellement, malheureusement. Après, tu, tu prêches un convaincu hein. Mammouth, Cromleck, moi, c'est un truc qui me, qui me horrifie un petit peu dans le standard, et... Il y a beaucoup de cartes de Kaldem qu'on trouve très bien, qui invalident pas ça, tu vois, euh, au global, hein, pour le coup. Ouais. J'aurais plus envie de jouer ça dans un Temur, en fait. Euh, imaginons qu'il n'y ait pas Temur au Bosch qui soit déjà très fort. On joue ça dans un Temur où tu vas, euh, après euh, le tour 3 où tu joues Kozima euh, T'accélérer avec des cultures, des trucs comme ça, donc ou dans le même bah, tour ouais. tu vas mettre plusieurs marqueurs dessus, et d'un coup bah, euh, tu partie. vas pouvoir, genre tour 5, 6, le faire revenir avec plusieurs marqueurs et avoir une grosse bête et full value. Bah, c'est ça, tu vois, typiquement ça marche à chaque fois que tu landes, ça littéralement en effet touche-terre, donc ça marche très très bien, comme tu le dis, avec des cultures et dans un deck témur. Et témur ultimatum, ça reste un, un plan de jeu qui est viable en standard, c'est pas un mauvais deck, hein, c'est top 4, top 5 des meilleurs decks du format. Bah, franchement, je serais le premier à tester Koziba dans ces archétypes là, quoi c'est le fait de devoir le, le jouer et qu'il passe un tour, tu vois. Si son effet il se déclenchait quand il joue un land, par exemple dès que tu joues un land, tu peux l'exiler euh, et ça fait l'effet euh, escompté, bah, ce serait meilleur. Ouais. Tu pourrais du coup le décurve pour le, le, le blinker tout de suite et, et le mettre safe. C'est le premier truc que j'ai relevé, c'est qu'il doit passer un tour. Mais globalement, s'il ne devait pas passer un tour, ça serait peut-être un petit peu trop fort. Ouais. Il ah, y a des applications sympas avec les fetch euh, comme passage merveilleux, tu vas mettre deux marqueurs dessus dans le même tour. J'ai je... vraiment du mal à ouais. l'évaluer et j'ai l'impression que, que c'est trop mignon et qu'on s'en fout, mais, euh, mais peut-être que, que c'est jouable. Le problème, problème c'est que sa capacité quand elle marche, quand la carte fonctionne, c'est trop buff pour l'ignorer, mais effectivement, c'est Le setup compliqué. est compliqué. Ouais, le setup est compliqué, je suis d'accord avec toi. Et globalement, pour ceux qui la comparent à Krasis, là moi je mets un veto. Ah tu top deck ça, c'est pas avoir. une Krasis. quoi. <laughs> c'est pas, pas du tout une Krasis quand tu top deck ça. Ah ouais, c'est clair. Bon le land, euh, juste pour le mentionner, Azorius Control il s'en lâche les babines. Euh, un land engagé qui en late game pour 6 va lui faire euh, draw 2 et gagner 2 PEV. Tous les jours. Ouais, c'est une bonne carte. Tous les jours ouais, de ça, ça, si bien, bon. euh, Sagenko, on veut ça si on joue bicolant. quoi on s'en fout. Ah ça. À droite, c'est bien. Hein. Alors ça, je peux vous ça. dire ce que ça fait. Euh, pour 4 mana, on a un sorcery. Euh, vous choisissez un type de créature et toutes les créatures qui ne sont pas de ce type là ont moins 3-3. Pas mal. Euh, ça permet de jouer des Vras dans un deck tribal, ce qui normalement n'est pas le cas. Vous ne faites jamais ça. Euh, enfin, très rarement en tout cas. Et là, ça permet de les jouer. Puisque votre, votre bord entier va résister à Vras. Et vous allez voir ce board adverse. C'est plutôt une carte de side à mon avis. Typiquement, vous jouez elf contre un deck aggro. Vous pouvez rentrer ça, vous allez lui enlever ses bêtes et garder les vôtres. Euh, à noter que les shapeshifters ne prendront jamais moins 3 ou moins 3, puisqu'elles sont tous les types. Ça peut être relevant un jour. Euh, Qu'est-ce qu'on pense de cette carte bah, C'est un corner case sympa dans certains decks, je crois, c'est tout. Bah si elle fait jouable en standard, il y aura ça dans tous les sides. Si elle fait pas jouable, euh, ça remplacera pas événement d'extinction pour, les... ouais. pour les jeux midrange ou les jeux contrôle. Donc je c'est bien, ça quoi. dépend de la, de la puissance de elf, quoi. Effectivement. Euh, un spell de Réa qui peut se payer pour 4. Je le note parce que souvent ça coûte 5. Et là, on peut le payer moins cher et ça a la plus-value de, de créer des elfes si on réanime un Elf. Ça peut être peut être sympa, c'est une très bonne carte de limité en tout cas. Ah le bon pâté. Le pâté. Là, il, y des, il y a des trucs à dire. Euh, C'est un 6,5% qui 5, doit être créature bête, je crois. Il me semble pas qu'il soit légendaire. Hop, ah, je peux montrer voilà. les images liques puisque de toute façon euh, ce n'est plus le cas maintenant. Ouais. Euh, il le compare à Eldor Gargaroth, bah effectivement la comparaison euh, se tient. Donc pour 5, on a un 6-5 créature éléphant et non pas bête, je me suis trompé. Il a le piétinement. à chaque fois qu'un permanent euh, que vous contrôlez, donc pas forcément lui, n'importe hein, quel permanent devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous piochez une carte et la carte elle a le fortel pour 4. C'est effectivement très gras, très puissant, c'est un gros pâté. C'est un 6-5 que vous allez piocher pour 4, qu'elle trample et qui euh, va vous donner de la value à chaque fois que euh, votre adversaire va vouloir le détruire ou détruire une de vos cartes. Cela dit, encore une fois, euh, il faut le comparer avec ce qui se fait déjà en standard, c'est-à-dire Eldor Gargaroth. Je ne suis pas persuadé que ce soit meilleur. Et globalement, pour le payer pour 4, ça veut dire renoncer à avoir joué un truc avant parce qu'il faut quand même payer le 2 du Fortel au préalable. Et si jamais vous voulez jouer ça, du coup, dans un archétype agro, bah, ça veut dire qu'effectivement, vous gagnez du mana pour le jouer pour 4, mais ça sous-entend cette décurvé un ou deux tours avant. Et donc, mmh. c'est quand même pas, pas rien. Je ne dis pas que c'est grave, mais ce n'est pas rien. Donc euh, du coup, ça veut dire qu'on veut pas forcément jouer ça dans un archétype agro. Et si tu joues ça plutôt dans un midrange ou dans un deck un peu contrôle, comme une carte de side contre aggro, est-ce qu'Elder Gargarot n'est pas mieux Je ne sais pas. En tout cas, la carte, elle est très puissante. Je pense que qu'Elder Gargarot est juste mieux. Parce que, au lieu de simplement faire piocher une carte, tu peux à la place mettre un 3-3 ou quoi. Euh, non, c'est pas la même euh, activation, mais en gros, je fais le rapprochement comme ça. Donc actuellement, non. Mais par contre, Gargaroth, euh, on l'a plus en, en septembre. Donc euh, à la rotation, peut-être qu'on aimera ce, ce mammouth de bataille. C'est clair. Comme Gargaroth, on ne l'aimait pas tant que ça avant la rotation. Ouais. C'est peut-être le, le flambeau des pâtés verts euh, qui ressemble à des éléphants. <laughs> qui se... Ils, se font une, ils se font une passation comme ça, ça à chaque fois. Alors, c'est toi le prochain pâté. Ouais, bon, je sais que j'étais moins intéressant tant que t'étais là. Mais voilà, hop, on serre la main. Euh, ouais, c'est marrant en tout cas euh, qu'il y ait une passation ouais. de pâté. Et je crois que c'est juste marrant. Mais c'est un gros pâté quand même. Mm. à noter qu'il est quand même assez vénère. Lui en limité. Euh, pff, pff. Ouais, ouais, encore ça va en limité. Pas... Ça fait sa value, mais c'est pas le pire truc. Hein. Franchement, en limité, tour 4, tu mets un 6-5 Trample qui te fait pêcher une carte quand tu le gères. Euh... Ouais, mais tu vois, s'il est géré instant, euh, il, a fait, oui. euh, il a fait sa petite value, mais il n'a pas été dégénéré. Quoi. Là où gargarotte ouais. tu vois, euh, bah, ouais, Ce euh, que le gérer il faisait rien. Mais par contre, si tu le laissais, ah, euh, tu, tu mourrais. Quoi. Alors que là, si tu ah, l'ignores. C'est qu'une ouais. 6-5 trample entre guillemets. C'est pas Cosma, le serpent céleste, je suis d'accord. Ah ligne. Cosma, ça c'est perdu. T'as un instant, t'as <laughs> <'as> perdu. Voilà. <laughs> Bien joué. Euh, ah, une autre carte que je trouve excellente. Même une Unco, une tiens. Avant de parler de la rare, je vais parler de, de l'Unco. Parce qu'elle peut débloquer un archétype. On a une 1-3 Death Touch pour 2, qui est légendaire. Qui dit que quand une créature que vous contrôlez avec le Death Touch inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur a, euh, gagne 2 marqueurs poison. Et les marqueurs poison, c'est une vieille mécanique, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ça fait qu'en gros, votre adversaire n'a pas 20 points de vie, mais 10, puisque quand il, a, euh, quand il a 10 marqueurs poison ou plus sur lui, il perd la partie. Et souvent, il y avait des créatures qui avaient une capacité qui s'appelait l'infect, qui infligeait non pas euh, des blessures de combat, mais des marqueurs poison directement. Et du coup, quand vous mettiez 10 points de dégâts, donc 10 marqueurs poison, euh, la persona, le, le, votre adversaire avait perdu. Et ça, ça transforme le Death Touch en un espèce d'infect encore mieux, puisque du coup... Enfin, encore mieux, ça dépend. Euh, ça met deux marqueurs poison, mais ça ne peut pas en mettre plus. Donc il faut euh, infliger euh, cinq blessures, en gros, avec des, euh, des créatures qu'on le death Touch, dont lui. Okay. C'est rigolo qu'ils réintroduisent la mécanique, mais au global, c'est un peu, un peu naze, quoi. Ça ne trigger qu'avec les créas donc. Euh... Ça créa. Un... Ouais, mais tu vois, tu as une saga euh, qui n'est pas dégueu pour Katmana, mana, qui a son troisième effet de notre Touch à toutes tes bêtes, qui est en Golgari. Je sais hum. pas si ça peut être un kill alternatif euh, Tu T'as pas envie de bloquer pas, en, parce que tu perds tes en... bêtes et si tu bloques pas, tu meurs. Euh... En limité, ça doit, ça doit bien synergiser, ouais. En limité, c'est pas mal, ouais. En limité, ça doit être plutôt pas mal. Ça doit être un plan de jeu viable, d'ailleurs, hum. d'essayer de récupérer ses, ses umco euh, et d'avoir de, de, ce plan de jeu-là en, en standard, j'y crois quand même. Pas, pas des masses, quoi. Ouais, s'il n'y a qu'une seule carte qui fait ça, ce sera trop, trop peu. Mais c'est vrai que c'était quand même fort deux marqueurs poison. Genre, quand tu dis qu'il faut taper que 5 fois avec ne serait-ce que des 1-1. Ouais, bah, ouais, encore une fois, ça dépend de ce que tu peux lui mettre autour pour structurer ton deck. S'il y a plein de bonnes bêtes de stouch, euh, c'est validé. Hein. Ça, ce sera joué avant le dieu bleu, hein, je vous le dis. C'est pas vrai. <laughs> Alors du coup, cet ange blanc, qu'est-ce qu'il fait euh, Désolé, la carte est mal cadrée, mais je suis obligé pour euh, que vous puissiez bien les voir euh, quand on regarde les cartes en tout. Pour 4 mains, là, on a une 3-4 euh, fly flash. C'est un ange et un clair. Type excellent, ça marche pour le parti. Et moi, j'adore les anges flash-fly. Donc, déjà, ça me régale. Quand le euh, glorieux gardien arrive sur le champ de bataille, exilez n'importe quel nombre euh, de créatures non anges que vous contrôlez jusqu'à ce que le euh, glorieux gardien quitte le champ de bataille. Et on peut le fortel pour 3 mana. Et du coup, vous pouvez le jouer depuis le fortel en flash. Donc, pour 3 mana, vous pouvez le jouer en flash et faire des dingueries. C'est un très bon body. Ça fait euh, des très bonnes phases de bloc. Ça met la pression en, euh, en fly euh, à votre adversaire. Et son effet le plus important, ça vous prémunit de Vras. Quand le mec va euh, détruire vos créatures, vous faites ⁇ Attendez !⁇ Attendez, monsieur. En réponse, je joue mon ange, j'exile toutes mes bêtes, qui ne sont pas des anges, hein, bien sûr. Euh, lui, du coup, sa Vras, elle tue que votre ange, euh, le glorieux gardien, et vous récupérez toutes vos créatures qui refont leur effet d'arrivée en jeu. J'ai ouais. l'impression que le Fortel, c'est la carte piège de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est ouais, ça. ça. Si vite, et tu retournes ta carte. Mais les et, éphémères, enfin euh, le Flash ou l'éphémère, c'est déjà les cartes pièges. Euh, ah, mais là, de... tu vois, elles sont posées sur le board comme à voilà. Yu-Gi-Oh! Mais là, comme elles sont euh, déjà sur le bord, il y a un côté. Enfin, pas sur le bord elles sont, sont déjà un piège, quoi. Tu le sais. Tu dis à ton adversaire qui peut rien y faire Ouais, j'ai un truc, je vais le payer pas cher et ça peut-être te recte Je trouve la carte super vrai. bien. Je sais pas si on a une utilité à cette carte, parce qu'il y a des fois des cartes excellentes, mais on n'en a pas utilité. Mmh. Typiquement la carte la vrasse noire là qui est une très bonne carte noire mais ça se trouve on s'en fout bah, ça c'est pareil c'est un ange qui peut ne servir à rien comme être excellent et être joué ouais. bah, dans un mono blanc agro qui se prémunit de vrasse avec la ça. la 2 3 qu'on a vu tout à l'heure et euh, qui se cœur bien avec cet ange globalement c'est un peu mieux que le spell noir parce que, parce que ça ça fait quelque chose tout seul Tu n'as même pas besoin de le fortel. ça reste un, un bon body quoi un 3-4 fly flash pour 4. Ouais. Euh, c'est plutôt pas... moi ça me donne envie euh, tu vois si effectivement les decks mono blanc euh, Récupèrent un petit peu de, de leur puissance et, euh, et viennent un petit peu agrémenter le mono blanc qui existe déjà actuellement en standard. J'ai bien envie d'avoir deux ou trois Glorious Guardian dans, dans ma liste, mmh. peut-être. Grave, bah, j'aimerais bien que ce soit euh... jeu autre chose comme au mono blanc parce que souvent, euh, dès qu'on voit des créatures, enfin des bonnes cartes blanches, on se dit Ah, oh, je joue ça dans mono blanc. Et ouais. j'aimerais bien plutôt que ce soit un deck à dominante de blanche mais qui joue d'autres couleurs pour faire des dingueries. Mais Genre bon, du vert pour Cromlech ou du rouge pour Humbercleave par ouais raison. par exemple, mais, euh, mais typiquement si on joue juste en mono-blanc, euh, moi c'est une carte que je trouve forte, ça ne m'étonnerait pas euh, qu'elle soit jouée avec euh, le, le dieu qu'on a vu tout à l'heure et, et ce sera très bien. Mais c'est dommage qu'en fait pour que blanc soit viable il faille jouer que mono-blanc avec de la disruption, enfin euh, ce, que, ce que fait le blanc d'habitude, mais les autres couleurs elles font des choses qu'elles ne font pas d'habitude et c'est très bien. Le vert il pioche alors qu'il le fait... Euh, pas spécifiquement, il n'est pas connu ah, pour le, ça il le, fait, il le fait depuis 4 ans maintenant, mais effectivement à la base c'était pas son but. Ans, mais pas, il faisait pas de value le vert, il jouait des pâtés et c'est ça sa value, c'est d'avoir des plus ouais. grosses stats que son cours mana. Voilà. Donc euh, c'est un peu dommage que le blanc ce, soit que. fasse que ça, mais bon, si c'est déjà jouable alors que ça l'était pas, ça, ça me va. Ouais, je suis pas trop d'avis sur cette carte-là. Euh, J'aime bien moi aussi les anges 3 4 fly ça 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 rappelle comme il le montrait juste en dessous le Restoration Angel et tout. Mmh. C'est un peu moins puissant mais tu il y a peut-être deux trois synergies un peu cachées avec ça aussi euh, que tu peux faire genre un effet un peu bling sur ton board si tu as moyen après de sacrifier ta Protectora Gloriosa euh, mmh. je sais pas trop à voir. Effectivement. Par contre Blood on the Snow, ça c'est sympa. Blue down the Snow pour 6, euh, rituel neigeux, vous choisissez l'un, vous détruisez tous les créatures, alors vous détruisez tous les soccer et euh, vous pouvez retourner une créature ou un Planeswalker avec un coût converti de mana de X ou moins de votre cimetière sur le champ de bataille, X étant le nombre de mana neigeux dépensé euh, pour payer ce spell-là, vous ne pouvez pas récupérer un Planeswalker ou une créature de votre adversaire, attention c'est seulement une des vôtres, donc du coup c'est un peu antisynergique, ça te demande du coup de raser le board euh, quand toi tu as du board pour pouvoir faire revenir une de tes cartes. Après si la carte elle était précédemment dans le cimetière, tu peux quand même la faire revenir. Donc c'est quand même un peu meilleur. Euh, je sais pas trop quoi en penser encore une fois, il euh, faut que Snow soit jouable. Si Snow est jouable, c'est une bonne carte. Alors, pour le coup, c'est plus facilement jouable dans un deck multicolore puisque comme ça coûte 6, tu peux déjà, euh, ne serait-ce qu'avec 3 basiques, ce qui sera certainement le cas dans un bicolore, voire peut-être même un tricolore. Euh, tu auras 3 basiques qui traînent et ça te permet de payer 3 mana neigeux, donc de raise un drop 3 euh, directement. Euh, ou même bah, juste au un global, drop 2. Moins tu joues de couleurs et plus tu auras de basiques. Tu veux dire au contraire. Donc c'est plus jouable dans les mono bicolore, tricolore que dans un. En fait, dans un monocolore, tu vas jouer. Euh, tu vas pouvoir raise un truc à 6, donc c'est fort. Mais ouais. euh, c'est une carte, comme elle coûte cher, elle te permet euh, d'avoir euh, euh, de le caster en ayant quand même peu de mana neigeux et De quand même faire son effet, mais dans un monocolore, tu auras, auras que des manas jeux. oui. Mais euh, en fait, là, tu vois la carte rouge de tout à l'heure qui est intéressante. Euh, quand tu dépenses trois manas rouges pour avoir trois manas bah il faut jouer que des basiques rouges, ouais. ouais. Donc, c'est difficile de jouer autre chose que dans un mono rouge. Alors que là, ouais. même dans un tricolore, tu vas facilement avoir deux trois manas basiques neigeux et ça te permet du coup de la jouer dans un tricolore et de réanimer quelque chose, notamment Jorn pour trois manas qui détape tous les terrains. Ouais. Les jeux. Alors, facilement, je sais pas, mais, euh, mais tu tu pourras essayer d'avoir un X qui est assez intéressant, mais globalement plus tu rajoutes des couleurs dans ton deck et moins ton X sera intéressant, il y a une espèce de cause ouais. euh, de cause proportionnelle qui se met en place mais euh, bah, tu vois, franchement avec ce Jorn là, avec ce Blood on the Snow et tout, il y a une espèce de sultail neigeux hein, quelque part dans le standard, mais est-ce que c'est bien C'est ça la question. Je sais pas ce sera bien, mais en tout cas il y a... y a tout qui donne envie hein, parce que quand tu fais, euh, je détruis toutes les créatures je, récu je récupère mon, mon Jorn qui va pouvoir ouais. faire de la value, euh, c'est pas mal. Hein. Non, j'avoue, ça, ça, ça me donne envie en tout cas. Mais un peu cher à 6. Euh, heureusement que ça détruit ouais. tout. Et d'ailleurs, le noir n'avait pas accès à ça. Donc ça, c'est cool. Il n'avait pas accès à une race clean. Non. Ouais. Bon, on avait Extinction euh... Event, non, ouais. Ouais mais tu vois ça laissait souvent des résidus quoi c'est ça tue 99 des bactéries avec une désinfection Ouais tu, tu sais ce que je pense de ça je pense que c'est le genre de carte que tu auras foin si jamais tu vois admettons l'archétype Sultai Snow est un vrai mmh. archétype du standard qui est joué tu vois, genre tous les decks auront un random blue done the snow tu vois Ouais Je vois mais euh, mais je sais pas si c'est euh, si ça définit l'archétype quoi Ouais c'est pas c'est pas dit ouais. Alors tout 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 alors ça tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, Val. Je sais que ça marche euh, avec le haut de tout à l'heure. Ah, bah ça marche avec le Il euh, y a plein de gens qui ont mis ces deux cartes à côté en mode Waouh, wow, regardez ce que ça fait et c'est ouf. C'est une 6-3 pour 2 véhicules qui se croue pour 6. Et quand il attaque, on ajoute 3 manas blancs, on gagne 3 points de vie et on ne perd pas ce mana jusqu'à la fin du tour. Est-ce que ça vaut le coup et... de jouer le ox qui est une très mauvaise carte et ça qui est une très mauvaise carte si tu n'as pas le ox pour faire 3 manas mais putain, mais tu sais que tout à l'heure je t'ai dit, ouais, s'ils designent une carte qui se croue pour 6, qui est un gros pâté et tout, euh, ça peut être sympa. Bon, en fait, ils l'ont designé, je ne le savais pas, je ne savais pas que Colossal pour ouais. existait. Euh, bah, c'est vrai que la sortie Champagne, genre Ox T2, ça T3, je t'attaque, je te bourre pour 6, je rajoute 3 mana euh, et je joue, je sais pas moi, le, le dieu blanc qui est trop fort. Ah bah oui, t'as sorti les Champagne. Après, est-ce que ça vaut le coup de créer un deck autour de ça Moi, si vous me demandez ouais. mon avis, c'est non. Euh, genre il faut faire une sortie champagne avec des early drop et trois cartes alors que avec trois cartes de pas early drop tu peux combo kill dans le standard là bah oui non mais c'est pour ça que moi si on demande mon avis c'est non mais il y a des euh, voilà il y a un assemblage de, de cartes qui fait des trucs sympas quoi après euh... ouais en fait j'ai l'impression que en Twitter fait, individuellement à le... son as quoi Donc, euh... ouais c'est ça le, le jeu de Twitter c'est on trouve des synergies et on fait croire que c'est insane bah oui mais c'est non genre si c'est nul vrai. bah il y a beau avoir une synergie on s'en fout après, en fait, euh, ça, va, ça va rosser des mecs en limité quand on pique les deux. Mais... C'est ça. Ça, c'est des synergies limitées. Après, peut-être que sur Twitter, les gens ne précisent pas que c'est pour du limité. Et ils devraient le faire, parce qu'effectivement, je pense qu'en limité, c'est vraiment une sortie qui est game breaker. Le buffle dans Colossal Plot. Et ça sera sûrement ce que les gens vont essayer d'assembler. Mais globalement, en standard, pour qu'une synergie soit intéressante, il faut que, ou ta synergie, elle demande très peu de setup et elle tue instantanément l'adversaire. Ou alors, si elle ne tue pas l'adversaire et qu'elle demande forcément un peu de setup, il faut que les cartes qui synergisent soient individuellement intéressantes. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Donc, euh, non, yep, yep, yep. Ça, je, ça, même, même avec euh, ce crew 6, ça ne me donne pas envie de jouer le buffle. Hmm. Euh, la saga euh, Orzov, elle réanime euh, au troisième tour et elle euh, redirige les blessures vers une créature au tour 1 et 2. Euh, je ne sais pas si c'est intéressant, mais un, un sort de Réa techniquement pour 3, ça peut ça peut-être peut donner envie de jouer un, un truc euh, pâté je ne sais pas. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a Non, on n'a pas de rare là. Ah Arnie Broken Bro 3-3 pour 3. Alors, ça, toi, de la présenter, pardon. 3-3 pour 3, on a un humain et Berserker. Euh, putain, c'est dommage, il a un peu le design d'un nain. Et nous, on veut des nains dans Kaldem pour synergiser avec les premiers reveals qu'on avait vus. Euh, Je ne sais pas, la couleur et tout, la carte rouge, ça aurait pu. Mais non, c'est un humain et Berserker. 3-3 euh, pour 3, il a la célérité, il a le boost. Euh, donc, c'est-à-dire que quand il attaque, vous pouvez payer 1 et vous pouvez changer. Euh, la force c'est ça de, de la Harney. force de base ouais, de harny d'accord et le faire enfin et qu'entre guillemets elle devienne la force la plus puissante parmi une des créatures que vous contrôlez plus 1 c'est ouais. ça donc en gros si vous avez une 4 4 vous payez 1 vous attaquez avec harny et il aura 5 de puissance 5 de patate ouais il sera forcément la créature la plus puissante du board enfin euh, de ton board en tout cas mais ouais. Pff... Je crois que c'est un peu mignon. Après, ça reste une 3-3 célérité pour 3 qui a un petit effet. Euh, à noter que le boost et ça, c'est un truc que j'ai découvert. T'as pas besoin que ta phase d'attaque ait, ait été au bout. T'as pas besoin de toucher un joueur. C'est quand attaques tu peux activer ouais, le boost. Et ouais. ça, ça euh, crédibilise un petit peu plus la Valkyrie que j'aimais beaucoup, parce que du coup, par rapport à un Tur Lupin, c'est vrai qu'elle rentrait un petit peu en contradiction avec Tur Lupin, qui était déjà joué en standard. Tur Lupin, pour faire ses effets, il a besoin d'avoir touché. La Valkyrie, pas nécessairement. Elle n'a pas besoin de toucher pour, pour, pour aller au bout de ses effets. Quand non, elle attaque, elle a besoin d'avoir passé le tour. Elle a besoin d'avoir passé le tour, effectivement. Mais tu vois, pour tous ceux qui disaient dans les commentaires, Bah, Tueur Lupin c'est juste infiniment meilleur. Non, c'est quand même deux cartes qui se positionnent pas exactement de la même manière. Yep. Pour le coup. Et, Et euh, ne je, ouais. je savais pas que le boost euh, hmm. s'activait au moment où tu attaques. Et Arnion, on s'en fout. Euh, oui, je pense globalement, on s'en fiche un peu. Euh, attends, en, en mono raid il y a quoi ça peut prendre la force d'un Anax, donc c'est pas, euh, pas euh, nul, mais. Ouais, mais t'as déjà Anax à jouer au, 3, au tour 3 et t'as pas envie d'avoir créé drop 3 légendaires, sinon ça te fait des mains dégueu des fois quoi. Lui, lui si t'en as deux ouais. légendaires, bah, tu en joues pas un, alors que Anax, tu peux jouer le deuxième pour euh, trigger et faire de tokens. Ouais, non, c'est clair, c'est pas très bien. S'il avait été nain, ça m'aurait déjà un peu plus intéressé. Ouais. Bon, c'est plutôt pas bien. Il ouais. euh, y a quelques cartes ensuite euh, qui ne s'affichaient pas, qu'on a dû aller chercher, je sais pas pourquoi. Euh, notamment euh, cette saga. The Blood Sky Massacre. Pour 3, alors la va euh, mais là elle a été révélée officiellement. Pour 3 maintenant, il y a une saga Ragdos qui va créer un 2-3 démon Berserker avec la menace pour 1. Un... Enfin pour le premier effet, pardon. Donc sympa, c'est à peu près le coup que ça doit avoir. Ensuite, quand un Berserker attaque ce tour-ci, en deuxième effet, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc si vous avez plusieurs Berserker, vous pouvez piocher plusieurs cartes, gagner plusieurs points de vie, notamment l'elfe qu'on avait tout à l'heure, le 3-1. Si vous l'avez curvé tour 2, puis le... la saga tour 3, ça, vous allez piocher deux cartes. Et en troisième effet, euh, vous allez ajouter un mana rouge pour chaque Berserker que vous contrôlez, et vous perdez pas ce mana euh, jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est vraiment bien dans Berserker parce que pour le coup, ça ne trigger qu'avec ça, le deuxième et troisième effet. Euh, très, très stylé d'ailleurs le, le tatouage ouais. qui représente euh, la, la saga, mais je ne vois pas trop ça ailleurs et je ne sais pas si Berserker se donnera envie d'être joué. J'ai l'impression pour l'instant, il y a que cette carte qui a envie de jouer Berserker. Ouais, mais c'est un encore. petit peu comme. Euh... Un petit peu comme la saga Simic, c'est-à-dire que le seuil minimal de la carte est bon. Je veux dire, pour 3 manas mmh. investis, tu en as un petit peu pour ton argent. Tu as une 2-3 qui a la menace, euh, qui du coup va attaquer, va te faire piocher une carte. Par contre, le plafond, c'est-à-dire comment utiliser cette carte à son plein potentiel, bah, pour l'instant, ça ne fait pas rêver. Quoi. Y a, y a le, le, le plafond, il est, euh, il est, il est au niveau mmh. du plancher quasiment. Ouais. Donc, euh, un peu dommage. Mais la carte, tu la contextualises pas, elle est juste bien pour ce qu'elle fait. Ouais. Tu investis 3 manas, tu as 2-3, tu pioches une carte. Oh ouais, carrément, euh, bonne carte. Ouais. Mais euh, c'est très. Ça moi, joue vraiment dans un deck. quoi. Ouais, j'ai pas envie de jouer ça en standard actuellement pour l'instant. Mmh. Peut-être qu'on va faire un deck euh, démon, berserker, euh, ange. En, ouais. en marge Et berserker, c'est un peu le, le wizard des euh, des, des, géants. Euh, des elfes. Non, ouais, voilà, des géants. En gros, ouais. t'as géant et wizard. Et du coup, tout le monde parle de géant, mais c'est peut-être wizard qu'il faut regarder. Et nous, on parle tous de elfes, alors qu'en fait, c'est peut-être berserker. Tu vois bah, Berserker, c'est beaucoup sur les créatures euh, ange, en fait. Donc justement, on voit ouais. beaucoup d'anges, mais ça se trouve, c'est... Ah, il y a peut-être un ça, Mardu Midrange. Et quand ouais. je dis Midrange, il y a le mot ange dedans. Tu ouais. Il y a peut-être un délire. Oh ouais, bah, je pensais à ça. Hein. Je pensais avec la saga euh, qui se curve, euh, qui, qui crée un ange berserker, il me semble. Saga orzov. Ah ouais, tu curves cette saga plus la saga euh, A4. Je sais pas, peut-être. Ah, hein. écoute, euh, maybe. Maybe, maybe. Graven On va passer très rapidement, c'est pas très bien comme carte. Alors pour quatre en éphémère euh, 5. enneigé ouais pour cinq pardon trois incolores et deux rouges il est il est tard on enregistre il est midi vingt huit c'est l'heure d'aller se euh, coucher quoi trois incolores et deux bleus en éphémère vous pouvez scry X euh, X étant euh, le nombre de mana neigeux que vous avez dépensé et ensuite vous piochez trois cartes euh, bah si neigeux c'est joué ça sera joué si neigeux c'est pas joué ça sera pas joué c'est un peu comme toutes les autres cartes qui synergisent neigeux mais c'est ouais, fort pff. au global ah bah, je sais même pas si instant... temps... ouais, dans Neige, tu plutôt en mode de permanent euh, value. Je sais pas si tu as envie de... de jouer des spells comme ça à 5. C'est pas ça, la question c'est si tu joues à Zorus Control et que tu as plein de basiques Neigeux, bah pour 5, faire 10 ah, oui. et pioche 3 cartes, c'est trop bien. Oh ouais, mais moi je parlais dans un deck Neigeux, genre le sul dont on parle, je crois que tu n'as même pas envie de jouer, quoi. Ou alors vraiment, tu en non. as un exemplaire, quoi. Peut-être pas, mais au global, juste si tu prends le, le niveau minimal, encore une fois, de la carte... Euh... J'essaie d'expliciter tous mes avis comme ça maintenant, bien pour sûr, que les ouais. commentaires comprennent bien. Euh, le niveau minimal de la carte, c'est un instant quand même qui pour 5 te fait pêcher trois cartes. Et mmh. c'est des cartes qui, dans d'autres standards, ont été jouées juste à bah, ce niveau minimal. L'ingéniosité de Jace, c'est exactement ce que tu dis, trois cartes pour 5 manas en instant, et c'était joué. Et c'était joué. Donc c'est pour ça que la carte, elle est quand même pas nulle, tu vois. Elle mérite au moins qu'on s'intéresse à la possibilité de la jouer dans, dans un deck snow, quoi Yep. Ouf, cosmos Elixir, un artefact pour 4. Au début de votre étape de fin, piochez une carte si votre total de points de vie est plus élevé que votre total de points de vie de départ. Sinon, vous gagnez 2 points de vie. Pas très intéressant. Euh, oh. ça, ça fait gagner que 2 c'est Ça coûte 4. Ça fait rien quand ça arrive en jeu. Enfin, ça fait un truc à la fin de votre tour, mais il faut avoir plus de points de vie que votre étape de base. C'est dur en standard. Hein. C'est dur d'avoir un total de points de vie qui n'est pas 0 au tour 4. Donc. Euh, <laughs> C'est nul à chier ça. Je trouve que c'est nul, ouais. Euh, ouais. Je, en fait, ça aurait été mieux si le texte était si vous avez plus de points de vie qu'au début de votre tour. Du coup, il suffisait juste de gagner des pèves à tous les tours. Euh, ce qui n'est hum. pas forcément facile. Euh, ouais, ce qui n'est pas forcément C'est ça, et dans le pire des cas, pour 4, tu pioches un mana par tour. Enfin, je veux dire, on a Aren Shirexian qui existe dans Magic, donc... Euh... Ouais. C'est pas bien, ouais, juste ça coûte pas trop bien cher. Ça aurait dû coûter deux à jouer pour que ce soit intéressant. Ah ouais, C'est vraiment pas bien. Franchement, si ça coûte deux, tour 1, tu mets un, un lifelink, tu gagnes ton, gagne ton petit point de vie, t'es frais. Ouais, bah ça aurait été joué dans les archétypes mono blanc lifelink en historique, peut-être. Mmh. Ouais, et encore, et, encore. Même pas dit. et on finit sur une très bonne carte. Ah, une belle bête pour 4, on a un 3-3, 2 -3, incolores, un noir, un rouge, vampire et dragon, qui sont quand même des types qui ne s'assemblent pas tout le temps. Euh, il a le vol. Euh, à chaque fois que ce gros dragon devient engagé, vous pouvez exiler la carte du dessus. Non, exiler une carte, pardon, euh, d'un cimetière, n'importe quelle carte et n'importe quel cimetière, et vous pouvez mettre un marqueur plus un, plus un sur le. Euh, sur le gros dragon, je vais l'appeler parce que Immortsourm prédateur, je vais pas réussir et euh, si vous sacrifiez une autre créature, euh, il gagne l'indestructible euh, jusqu'à la fin du tour et vous pouvez l'engager. Donc on a un mangeur de cimetière qui a des bonnes stats, qui vole et qui en plus peut se protéger. Ça rappelle effectivement euh, l'aristocrate qu'on voit juste en dessous qui était une carte qui était jouée dans son, dans son standard à l'époque. C'est pas pété, il n'a pas la célérité, il n'a pas des stats énormes, mais en standard, manger le cimetière, c'est bien et en plus pouvoir le protéger, c'est cool. Exact. Et toutes les cartes que tu citais en exemple euh, depuis le début, les gens ne les voyaient pas parce qu'il y a ta came dessus. Ah, non. Mais sachez qu'il y a l'aristocrate. dessous, il y a l'aristocrate euh, Felkenrath qui était joué à l'époque euh, mm. en Inistra premier du nom. Et c'était une bonne carte, une 4-1 vol célérité qui se protégeait. Exact. Ouais, bah, c'est une bonne carte. Hein. Dommage que c'est pas la haste. Je ne trouvais pas ça déconnant. Et dommage que ce soit pas un berserker. Voilà, ou euh, un, vampire, un dragon berserker. Ça aurait été stylé. Mais, euh, mais ouais, euh, du coup. Je m'étire un petit peu. La carte est une très bonne bête. Euh, on a envie de la jouer quand on joue ses couleurs. Euh, ça peut grossir. Euh, ça fait de laide de cimetière. Ça peut se protéger. Ça sacrifie. C'est juste une très bonne carte. Tu, tu vois moi ce qui me pose problème là avec Eldheim, c'est qu'il y a quand même beaucoup de drop 4 très très bons, et il va falloir choisir. On les jouera pas tous. Et ils vont se battre, ouais. Mais euh, ils ouais, ont l'air d'aller a... dans des stratégies différentes. Donc pour le coup, ça va être plutôt le, le meilleur deck qui va l'emporter plutôt que la meilleure carte. Ouais. Enfin, en vrai, en, au global, en Mardut, on a plein de drop 4. Hein, entre le ce Predator-là, entre la Valkyrie que j'aime bien, entre le nouveau spell Fortel mm. mythique blanc qui coûte 4, la Super Saga Orzhov qui coûte 4. Tu vois, toutes ces cartes, elles pourraient aller dans le même archétype. Ouais. Et, et au final, il faudra faire des choix. Et ça, c'est un peu dommage. Ça va juste mettre ouais. de côté des bonnes cartes. Quoi. Bah, on est dans un univers très midrange là. Hein, parce qu'on sait que le tour 3, 4 et 5 sont très importants. Et on a il y en a eu qui avaient des ouais. bonnes cartes à 3, des excellentes cartes à 4, quelques très bonnes cartes au tour 5. Euh, ou alors qu'il trigger au tour 5, bah, là on est, on est encore en plein dedans. Hein. Là on se plaignait de pas avoir eu de, de vrais midrange, on va dire, pendant un an l'année dernière, voire plus. Ah bah là, on je pense que choix. cette année, on va en avoir ce qu'il faut. Mais vu qu'il y a ouais, euh, peut-être un deck combo qui peut émerger, ou d'autres, hein, qu'on n'a peut-être pas vu, euh, je pense que euh, ce sera pas non plus... Euh, on ne va pas être asphyxié de deck midrange, puisque euh, les combos seront là pour les tenir en respect. Ouais, il bah, faut voir après. Euh... Bon, les combos, ce n'est pas, pas encore validé, ça donne envie de creuser pas et de voir. Mais, mais on ne sait pas. Au, sérieux, au global, moi, dans Caldame, c'est plus la tricolorité Mardu, qui n'est pas forcément une tricolorité que je porte dans mon cœur, qui me hype. C'est-à-dire que la plupart des cartes que j'ai envie de jouer, que ce soit la saga Horzov, que ça soit le Tibalt, euh, moi, franchement, Tibalt, j'ai vraiment rehaussé mon avis sur cette carte-là, mm. même si on l'a trouvée déjà bien. Carte, ouais. Au final, je la trouve vraiment super bien. Donc, tout ce côté Ragdos, tout ce côté Horzov, euh, tout ce côté Boros me hype beaucoup plus que le vert et le bleu euh, et c'est plutôt une bonne chose euh, parce que le vert et le bleu ont pas mal dominé le format euh, les années passées donc euh, donc let's go quoi je suis plutôt chaud sur mardi euh, pour euh, pour Kaldai yep bah carrément bah, ouais moi aussi bah, je trouve que toutes les couleurs sont bien euh, bleu un peu un peu en deçà j'ai l'impression que ça synergise beaucoup avec soi-même le bleu ouais euh, mais clair. Bon, euh, très, pas euh... très mono bleu ou Azorius tout au plus quoi. Ouais on a eu du bleu euh, un peu dans tous les decks euh, l'année dernière donc c'est pas gênant que le bleu fasse un peu cavalier seul sur ce coup-là. Et le blanc, et bah, comme je disais tout à l'heure, il euh, y a des bonnes cartes blanches mais multicolores euh, qui vont déjà dans des archétypes tels qu'existent existent déjà. Et les bonnes cartes blanches euh, mono blanches, et ben bah, vont qu'avec les cartes mono blanches. En tout cas, dans, dans l'archétype qu qui se dessine. Donc, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé que ça, se, que ça fasse un petit ouais. mec, une pote, un petit, euh, petit Azorus Tempo. Là, ça me régalerait. Quoi. Donc, euh... ah, on verra. Tout est on possible. Verra. Franchement, l'extension, la, la, en tout cas, elle est bien designée. On mmh. a envie de tester plein de trucs. Il y a un truc aussi à noter, je trouve, c'est que le vert n'a pas été gâté dans Kaldheim. Et non, en vrai, on cool. parle de vert bleu, mais ce n'est pas vert bleu le problème. C'est vert. On le voit encore dans le standard euh, actuellement. C'est vraiment le vert qui domine. Et c'est bien. Voilà, c'est bien que le vert soit un peu en retrait. Là, typiquement, dans kaldheim mmh. J'ai pas le souvenir d'une carte verte vraiment euh, que j'ai vraiment envie d'essayer de jouer, quoi, que ah je extrêmement puissante. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que même le mammouth, qui était une, juste une bonne bête, bah on est là en mode, bah on s'en fout. Il y a déjà une meilleure bête qui coûte le même prix, donc euh... voilà, c'est ça. On a juste notre poteau gargarrois qui fait le taf, quoi. C'est bien. Mais le truc, c'est que heureusement que le vert a pas été boeuf, puisque là déjà, on sait pas si les autres couleurs vont battre le vert, qui est déjà est existant. Donc c'est c'est mais... bien designé Ils... en tout cas, si jamais ça marche comme ça. Ouais. Ils ont bien conscience des cartes qu'ils ont éditées par le passé. Euh, oui, ça. C'est vrai. Fin de cette vidéo qui est très longue, dernière vidéo spoiler, mais je sais que ça vous régale. Il euh, y en a plein qui nous disent, franchement, je rentre du boulot, je suis rincé, euh, je suis deg. Et là, il y a la vidéo qui pop, ça refait ma soirée. Merci ouais, à tous ceux qui mettent ces commentaires-là, ça régale. On se donne à fond, on argumente, on échange, tu vois, c'est vraiment. En fait, ce qu'on vous propose là dans les vidéos spoiler, c'est des conversations qu'on aurait hors vidéo, en fait, quand vous parlez de Magic. Avec et qu'on a gens. parfois. Ouais, ouais, et qu'on a parfois. Alors, des fois, on se, on se fait une redite en vidéo, ou des fois, justement, notre avis a mûri entre temps. Et c'est encore mieux. Euh, voilà, ça, ça, moi, je kiffe faire ces, ces vidéos-là. Yep. Euh, prochaine vidéo spoiler, du coup, ce sera directement le top 5. Euh, je le rappelle, si jamais vous avez pris la vidéo en cours de route. Euh, c'est. Euh, comment C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, déjà. Putain, ça arrive vite. Ça, ouais. hein. ça galope. ça. Comme une escalope. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Euh, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpell Magic rien à Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.